Je me présente, comme ça vous saurez qui je suis. Je suis Corinne Gouget. Et je suis passionnée des effets secondaires des additifs alimentaires depuis 1994. Donc à l'époque, je faisais comme la plupart des gens, j'achetais n'importe quoi en supermarché en faisant confiance, en me disant c'est en vente. Donc ça doit être vérifié par les autorités sanitaires et c'est pas cancérigène, c'est pas dangereux, sinon ça serait pas en vente quand même. Permettre de retrouver les goûts des vrais aliments. Après des années de glutamate ou d'aspartame, les papilles gustatives, il y en a encore, mais bon. Donc petit à petit, on s'est réhabitué au goût des aliments, et petit à petit, on retrouve ses capacités. D'abord, c'est le sommeil qui va mieux, on perd ses kilos s'en vont, l'énergie revient, etc. Et puis là, au cerveau, ça va mieux aussi. Parce qu'en fait, quand on nettoie aussi le corps et qu'on nettoie aussi les intestins, qui sont le deuxième cerveau, on nettoie aussi le cerveau. Ils sont liés tous les deux. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Morgane du projet Entre les lignes. Je suis heureux aujourd'hui de vous faire découvrir une personne, enfin découvrir, peut-être que certains la connaissent déjà et je l'espère que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, c'est le bon moment. Je vous présente Madame Gouget, Corinne, ici présente. Bonjour. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai la chance qu'elle vienne à Nice, donc merci Corinne d'être venue jusque là. Et pour suivre un peu la vidéo des Brigades du Tigre, qui ont fait déjà une excellente vidéo d'1h43 avec toi. Qui s'appelle Corinne Gouget sur le génocide alimentaire. Voilà, donc ça va être un peu une complémentarité parce que j'ai vraiment aimé ce reportage et que bravo les gars si vous regardez ça, vraiment super travail. Bien sûr qu'ils vont regarder. J'espère bien en tout cas. Donc là, on va annoncer un petit peu ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc déjà en premier temps, nous allons aller avec toi dans un atelier cuisine. Alors explique en deux mots pourquoi tu fais ces ateliers. Et qu'est-ce que tu veux faire passer dans ces ateliers, etc. Alors en deux mots, l'atelier qu'on a organisé et mis en place, c'est un atelier de chasse aux additifs. Donc parce qu'idéalement, il faut poser le problème, expliquer de manière plus ou moins scientifique pourquoi il ne faut pas manger certains aliments. Donc sur la table, on va mettre une grande nappe rouge avec plein d'emballages. Donc il y aura la moitié de la table avec des aliments qui contiennent tous une à plusieurs sources de glutamate monosodique, parce que les gens en consomment sans savoir. Et l'autre moitié de la table, ça sera tout ce qui est à l'aspartame. Mais il ne faut pas oublier que dans par exemple un chewing-gum, vous aurez de l'aspartame, de l'acésulfame K, de l'arôme, donc du glutamate aussi. Et que le glutamate plus l'aspartame plus un colorant comme le E133 ou le E104, là ça devient 4 à 7 fois plus dangereux. Donc c'est très grave. Donc l'idée c'est d'encourager les participants à lire les étiquettes, à se renseigner sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils achètent. Parce que comme je dis en conférence, on a le pouvoir d'achat et le pouvoir de non-achat. Personne ne peut vous obliger à manger du poison, une fois que vous savez. Seulement le but de ces poisons, c'est des excitotoxines, terme créé par le professeur John Olney il y a plus de 40 ans aux États-Unis. Et ces excitotoxines sont des molécules que l'on ingère, ou que ça peut passer par les pesticides ou les métaux lourds aussi, qui vont traverser la barrière hémato-encéphalique rapidement à chaque dose. Cette barrière est censée protéger le cerveau des produits chimiques. Donc les industriels vous disent... La barrière hémato-encéphalique est efficace, elle vous protège. Donc vous pouvez manger ce que vous voulez, c'est pas vrai. Donc cette barrière est en pleine croissance dès la naissance jusqu'à 18-20 ans. Donc elle ne protège pas le cerveau de l'enfant. Et quand on fait du sport à haut niveau, qu'on est diabétique ou qu'on est âgé, elle devient poreuse et ou abîmée. Donc de toute façon, ces molécules traversent cette barrière et vont détruire à chaque dose les neurones du cerveau en les excitant. Donc le neurone, il est excité parce qu'il a une surdose de glutamate monosodique alors que le glutamate naturel lui convient mieux. Et il a une surdose d'aspartame. Donc dans cet aspartame, j'ai un très bon ami qui s'appelle Jim McDonald, qui est lui en Écosse et qui dénonce le méthanol dans l'aspartame. Et il me dit, Corinne, ne parle pas d'aspartame, parle de méthanol. Seul le français moyen, vous lui parlez méthanol, il en a mangé trop et il ne sait pas ce que c'est. Donc l'aspartame, c'est quoi? C'est 50% de phénylalanine. C'est énorme en quantité par rapport aux aliments naturels qui en contiennent. Et cette phénylalanine-là est en molécule libre et se dégrade à chaque dose, après chaque chewing-gum, chaque gorgée de boisson light, chaque sucrète, chaque 14 000 produits qui en contiennent actuellement au niveau alimentaire. Et donc cette phénylalanine-là se dégrade en dicétopyperazine. Et c'est éprouvé depuis les années 74 sur des singes aux États-Unis. Donc qu'est-ce que ça provoque exactement? Des tumeurs au cerveau. Non, des tumeurs au cerveau de grade 2 assez importantes et des fois inopérables malheureusement. Et aujourd'hui en France, en 2013, la génération la plus atteinte de ces tumeurs cérébrales, c'est en général les 20-25 ans, qui ont mangé des chewing-gums sans sucre depuis l'âge de 15-20 ans, des fois 6 ans. J'ai même vu une petite fille, une jeune adolescente de 14 ans en fauteuil roulant en 2006, qui elle avait eu des chewing-gums gratuits depuis l'âge de 2 ans parce que sa tante tenait un bureau de tabac. Et comme elle avait appris à ne plus les avaler, elle mâchait des chewing-gums depuis l'âge de 2 ans. Donc là, elle avait de nombreuses pathologies dont le diabète et la perte de sensibilité des pieds. Elle était en fauteuil roulant à 14 ans. Et parce que quand elle a développé son diabète à 9 ans, on lui a dit « Sodala est à volonté à l'hôpital, à Marseille ». Et etc. Et donc du coup, elle continue à consommer tous ces produits à outrance, surpoids, fauteuil roulant, perte de sensibilité des pieds, tas de symptômes. Et c'était en 2006, quoi. Faut arrêter. Donc du coup, il y a de la désinformation au niveau des cliniques d'amaigrissement des ados en France, où on leur fait prendre des soda light à volonté et des sucrètes. Donc l'enfant, il rentre chez lui. Là, les parents sont souvent divorcés. Il y a beaucoup de familles monoparentales avec ces enfants-là. Donc la mère fait plus ses courses, elle cuisine même plus, parce qu'elle est dépressive, ou qu'elle a fait un AVC, ou que ça va pas, ou qu'elle est en surpoids. Une maman de 300 kilos, comment voulez-vous qu'elle aille faire ses courses tous les jours? Ouais, tu as entendu, oui, un cas de 40 ans en France, pas aux États-Unis, de 300 kilos. Faut arrêter. Il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme et d'arrêter cet empoisonnement massif de la population. Toi, ça fait combien de temps que tu informes les gens sur ce genre de problème? J'ai eu la chance, en 1994, j'attendais ma première fille, et jusque-là, je mangeais ce qui se trouvait en supermarché, étant persuadée que c'était autorisé, donc testé, ouais, vérifié par des autorités sanitaires vigilantes et sérieuses. Bon, j'étais très naïve à cet âge-là. Mais bon, et j'achetais des choses en supermarché comme tout le monde. Je cuisinais un petit peu, mais pas en excès. Et là, j'étais donc enceinte de ma fille aînée, et je suis partie à la bibliothèque. Et j'ai eu la chance énorme d'avoir un petit tourniquet avec des magazines mis à disposition au public. J'ai pris un magazine qui me tombait là, il n'y a pas de hasard, il paraît, mais bon. Et je suis tombée sur un article de 3 à 4 pages sur les E. E pour Europe. E133 égale un colorant bleu, par exemple. Parce qu'on voit sur les étiquettes beaucoup. Voilà, hein, beaucoup. Alors, beaucoup moins aujourd'hui, parce que, évidemment, mon livre a eu du succès et il y a des gens qui trouvent beaucoup d'informations par eux-mêmes sur Internet. Et donc, les industriels, en ce moment, depuis 6 mois, 1 an, enlèvent les E, par exemple E621, dans les produits comme les bouillons cubes, les soupes en sachet, les sauces en sachet, est éliminé. Le mot glutamate de sodium ou glutamate monosodique fait peur pour certains, donc on l'a remplacé par arôme au pluriel, maltodextrine, arôme naturel ou extrait de levure. Et l'extrait de levure, c'est encore pire parce que c'est aussi dans les produits bio. Donc les gens se disent, je mange un bouillon cube bio, mais il y a de l'extrait de levure dedans qui vont contenir aussi du glutamate de sodium. Alors attends, on va aller le voir parce qu'après on va aller dans un supermarché justement pour qu'on puisse montrer tout ça. Donc l'atelier en fait sert à aider les gens à lire les étiquettes, des petits comme des grands, ça peut être des enfants de 4, 5 ans, même 6 ans s'ils savent déjà lire un petit peu, ou même avec les tout petits, les 2, 4 ans, je fais un jeu. On y utilise l'histoire de Blanche-Neige, pourquoi la sorcière elle fait sa pomme, pourquoi elle la mange pas, qui c'est qui la mange, etc. Et après, ils connaissent les marques, les enfants, même s'ils ne savent pas lire. Donc, on parle de la sorcière Ferrero, la sorcière Harimoche, la sorcière, etc. Et les gens, les enfants, je leur dis, vous êtes des vrais princes. Vous êtes des princes et des princesses pour vos parents. Vos parents vous aiment. Je ne veux pas faire culpabiliser les parents, c'est pas leur faute. Pas leur faute. Ils pensent faire sans plaisir en achetant des bêtises aux enfants. Donc, du coup, l'enfant comprend. Et eux, c'est des vrais princes et des vraies princesses, ils sont là en chair et en os, Blanche-Neige n'a pas existé. Et donc du coup, on leur apprend à réfléchir là-dessus. Donc l'enfant, il rentre chez lui, dit « Maman, il y a une dame qui est venue à l'école, elle a dit que ça, c'est pas bon », mais le parent ne comprend pas. Donc ce qui est bien, c'est faire une conférence pour les parents dans la foulée, pour expliquer plus scientifiquement, sans faire de jeu de princesse et de prince charmant. En même temps, tu leur montres aussi, après l'atelier, tu leur montres comment faire à manger aussi. Alors, l'atelier qu'on va faire là, c'est pour adultes et peut-être des enfants. Donc du coup, on va faire lire les étiquettes. Je vais expliquer ce que c'est le glutamate, l'aspartame, les colorants, la gélatine de porc, tout ça. Ils vont lire des étiquettes. Après, on va tout enlever de la table. Ils vont poser des questions, c'est sûr, parce que là, c'est souvent un choc. Il y a certains qui vont dire « Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? On le saurait. Je prends tant de médicaments par jour, mais je mange ça, tout va bien. » Voilà. D'autres vont dire peut-être « Mais non, j'en mange tous les jours. Bon, j'ai grossi, mais c'est pas ça. C'est héréditaire, c'est la génétique. » Donc bien sûr qu'il y a une partie génétique ou hérédité pour certaines pathologies. Mais il y a aussi l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? C'est pas que l'air qu'on respire, l'eau, les traînées dans le ciel pour certains, les cosmétiques, les vaccins, les médicaments qu'on ingère. Il y a des gens qui prennent 30, 40 médicaments par jour. Plus ceux qui mangent. Ah mais oui. Vous avez par exemple, j'ai un ami qui a la maladie de Crohn. Donc c'est une maladie du système digestif. Il va à l'hôpital parce qu'il est en pleine crise. On lui donne 40 médicaments par jour, dont un à l'aspartame. Pendant son séjour à l'hôpital, il reste quoi dans l'estomac? Et là, si vous savez que ce qu'on mange dans les hôpitaux, c'est du tout prêt. C'est des contrats avec les traiteurs qui servent la même nourriture dans les cantines. Donc l'enfant, il mange à la cantine, il mange du truc farci d'additifs, ouais. Il tombe malade, il va chez le médecin, qui lui donne des médicaments à l'aspartame, mais à la maison, il mange les mêmes choses que ce qu'il mange à la cantine, sauf que là, il a les étiquettes, et il va à l'hôpital. L'enfant, il peut avoir une tumeur au cerveau à la naissance, une leucémie, un cancer des reins fulgurant, il a 6 ans. Et à l'hôpital, on lui donne encore le même truc qu'il y a à la cantine. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut payer le personnel, l'électricité, tout ça. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Joyeux qui m'a répondu ça lors d'une question à la fin d'une de ses conférences sur l'alimentation. Donc lui, il parle de quoi en... Professeur Joyeux, il est cancérologue de Montpellier. D'accord. Et il est assez connu, médiatique, il dénonce certaines choses avec justesse, mais il dit pas tout. Et donc, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, parce que dans les hôpitaux, figurez-vous, quand un enfant est malade, j'ai une maman qui, c'est le cas pour son mari, leur petite fille va très bien sûr, ils ont trouvé ça, mais le mari est médecin dans un hôpital pour enfants en France, je dis pas où. Et je dis, mais c'est très bien, je dis, puisque vous avez l'info, est-ce qu'il pourrait donner des conseils en nutrition aux parents pour que l'enfant ne revienne pas 6 mois après avec un autre cancer? Et la réponse de la mère, elle me dit, ah ben non, parce que s'il fait ça, il perd son poste. Pour moi, je suis désolée, ça me choque. Parce que l'article 24 de la Convention internationale du droit de l'enfant précise bien que l'État et les médias doivent mettre à disposition des informations nationales et internationales aux parents en matière de nutrition pour le bien-être de la santé physique et mentale de l'enfant. Alors à quoi sert cette convention? À faire joli sûrement du coup. À faire joli. Convention internationale des droits de l'enfant, article 24. Alinéa 2, petit e. Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information. Alinéa 3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. Mais donc on parle des droits de l'enfant, si vous allez vous promener dans une école primaire ou maternelle en France, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Bon, ça devrait être effacé avec une gomme ou des graffitis. Et à l'intérieur, vous avez souvent, pas toujours, dans le hall d'entrée, tous les droits de l'enfant affichés. Mais les parents, ils vont pas le lire, ils s'en foutent. On dépose l'enfant à l'école quand on met l'enfant à la garderie, on revient le chercher à 4 heures. Allez, t'as été sage, c'est bien, il y a eu un anniversaire, c'est bien mon chéri. Et ah, t'as des bonbons, bah oui, tu peux les manger. Mais vas-y, mais il y a combien d'anniversaires par semaine dans une classe ? Combien d'institutrices en France, chose qui n'existait pas il y a 50 ans, ont donné un bonbon par jour au meilleur élève de la classe? Un bonbon gélifié, bien sûr, plein d'acide colorant. Moi, j'ai vu une maîtresse en 2007 qui m'a fait venir dans son école avec une autre institutrice pour expliquer aux enfants. Ils avaient 45 petits de 4-5 ans. C'était mon premier atelier à Paris. Et cette maîtresse allait prendre sa retraite, mais elle voulait comprendre ce qu'il y a dans les bonbons. Parce que toute sa carrière, elle avait donné un bonbon par jour au meilleur élève de la classe. Donc, elle a intoxiqué sans savoir des milliers d'enfants. Ça, avant, dans les écoles maternelles à mon époque, quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans, il y avait des bons points. Ouais. Et au bout de tant de bons points, on avait une image. On était fiers d'avoir 10 bons points, 15 bons points, j'en sais rien, 20, je ne sais plus le chiffre. Et avoir une image à la fin. Aujourd'hui, c'est quoi? C'était ça, je t'aurai un bonbon. Mais c'est quoi ce truc? Et puis si t'es pas sage, ça va pas. Et puis je te mettrai dehors dans le couloir, tu seras puni. Et tu feras des lignes ou tu feras ça. Mais si t'es pas sage, surtout, tu auras des mauvaises notes. Et bon, voilà, ça... Bon, on va pas parler du système scolaire parce que ça m'énerve. Ouais, on pourrait passer des heures dessus. Et donc l'idée de l'atelier, c'est de faire lire les étiquettes aux gens, mais aussi aux enfants s'il y en a. Et après, on met tous les emballages de côté. Et pour finir sur une note positive, c'est de faire une petite démonstration pour montrer aux gens comment on peut faire des aliments sans additifs, sans huile de palme, sans acide citrique, sans colorant, sans glutamate monosodique, sans aspartame, parce que c'est possible. Et même sans sucre, parce que quand on prend trop de sucre, ça peut faire des dérèglements, des problèmes de santé, des crises d'hypoglycémie, des sauts d'humeur. Donc il y a un très bon documentaire, mais qui malheureusement toujours qu'en France, qu'en anglais, qui est passé en DVD aux États-Unis en 2006 et qui est maintenant sur Internet, si vous êtes bilingue. Mais le réalisateur, c'est le fils du conférencier, c'est donc le docteur Russell Blaylock, le conférencier. Et le docteur Blaylock fait une conférence sur la nutrition et le comportement. Donc c'est Nutrition and Behavior. C'est extraordinaire, ça dure à peu près 1 heure. Et il parle du sucre, de l'alcool, de la drogue, du café, etc. Mais il va aussi beaucoup parler du rôle des excitotoxines, glutamate, aspartame, etc., colorants, sur le comportement des consommateurs. Il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes aussi. Et là, on n'en parle pas. What we're going to talk about is nutrition and the effect on behavior, primarily brain function. And this is a wide open field. We're learning a lot of things about nutrition that before were only guessed at. And one of the really exciting things is the effect of nutrition on genetics. We're finding that nutrition can control whether genes are operative or non-operative. In other words, they're on or off. And we're finding that you can, early in the stages of development, alter a child's and the mother's nutrition, and you can affect the child's life from then on, either negatively or positively. Reducing breast cancer risk is something that's found recently. Reducing hypertension as an adult by what you do and feed your child as even in utero. C'est qu'en anglais, donc s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent m'aider à le sous-titrer, il n'y a aucun souci. Parce que ça pourrait sauver des millions de vies, étant donné qu'à un moment, ils parlent même des pathologies comme la schizophrénie. On en a parlé récemment avec une personne. Et donc du coup, ils ont mis des schizophrènes à l'hôpital, ils les ont isolés. Et là, ils changent l'alimentation. Donc je crois que c'était une étude en Suède, je crois qu'il dit ça, ou aux États-Unis, ou les deux même. Et donc là, on retire par exemple le gluten. Donc le gluten, à ne pas confondre avec le glutamate monosodique. C'est tout ce qui contient, c'est le blé. C'est aussi flocons d'avoine, épeautre, blé, etc. Et donc là, on retire le gluten de l'alimentation des schizophrènes. Ils vont tous mieux, 100%. Vous leur redonnez du gluten, une assiette de pâtes, des biscuits, du pain, ils retombent en crise. Donc le docteur Blaylock explique que quand vous mangez un aliment et que vous faites une réaction allergique, ce n'est pas simplement une allergie du corps, c'est une allergie du cerveau. Donc c'est le cerveau qui réagit à ce qu'on mange. En France, qui c'est qui en parle? Personne. Alors toi, par rapport, parce que tu as sorti donc un livre qui s'appelle Additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner, qui est vraiment bien. Moi, je le conseille vraiment. En plus, il est pas cher, il a 10 € pour un petit livre de poche. Enfin, franchement, voilà. Le but, c'est qu'il passe dans la poche, qu'on puisse lire le début. Il y a lettre aux lecteurs, lettre aux enfants et aux ados. Et là, on a tous les E, donc on va remarquer le E, mais des fois ils mettent le nom. Donc à la fin du tableau, il y a les noms, bien sûr, en couleur. Donc tout ce qui est à la fin du tableau, c'est les noms qui sont là. L'index. Donc on va trouver soit le nom, soit le code. Là on a à quoi il sert, s'il est dangereux ou pas. Donc vert, c'est pas dangereux à nos jours. Rouge, c'est dangereux à 100%. Et orange, c'est peut-être dangereux selon les sources que j'ai trouvées, 50-50. Donc pour ce qui est d'une femme qui a l'intention d'être enceinte ou qui l'est déjà, c'est 0 additif rouge et orange. Donc il reste plus grand chose, j'avoue. Combien de temps tu as mis pour faire ça? Alors moi je suis passionnée par le sujet depuis 19 ans. Et j'utilisais un carnet bleu que j'ai là, et qui s'appelait Find Out. Suite à l'article que j'ai lu donc en 1994, je me suis fourni ce carnet dont on parlait dans l'article et qui s'appelle, bon celui-là c'est une vieille version, Foresight Index Number Decoder or Useful Translator. Donc c'est l'index pour décoder les chiffres de chez Foresight, un interprète utile. Donc ce carnet à l'époque, dans les années 94, il coûtait 2-3 €. Il était imprimé par une dame qui s'appelle Belinda Barnes, qui est une femme extraordinaire. Et elle le vendait uniquement aux couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Parce que, comme le dit Serge Papin, dans un débat qui était sur Internet avec Pierre Rabhi, je vous signale pour ceux qui ne savent pas que Serge Papin est le directeur général de Super U. Serge Papin explique qu'ils vendent une alimentation cancérigène et reprotoxique. Et qu'il est temps de changer les choses. Donc c'est une bonne volonté à la base. C'est beau qu'il ait dit ça, parce que oui, il s'est mouillé. Hein. Mais au départ, je l'ai mis dans mon livre, je vais vous dire. Ah ben, j'ai la phrase là. Hein. Il a dû avoir des problèmes après avoir dit ça quand même. Hein. Non, parce que, oui et non, si vous voulez, en Angleterre, pardon, chez Asda, en Angleterre, les consommateurs de produits Asda se sont plaints auprès du supermarché pour retirer l'aspartame de leur soda, leur propre marque. Donc Asda a dit, ouh, regardez vite, on va retirer l'aspartame. Ils ont eu un procès avec le fabricant, hein, Ajinomoto. Hein, parce qu'ils ont osé dire que l'aspartame était méchant, c'est pas vulgaire, mais bon. Donc il y a eu tout un procès, toute une histoire là-bas. Je me disais, qui sait, en France, quel supermarché va pouvoir faire la même chose? Retirer l'aspartame pour dire, regardez, nous, on fait notre soda sans aspartame. Donc en Angleterre, c'était Asda. Asda a retiré l'aspartame, mais laissé la césulfame K dans leur soda, qui est cancérigène, mais pas neurotoxique. Donc les gens se sont dit, génial, Asda montre l'exemple. En France, Super U a commencé à retirer l'aspartame de yaourt. Ils ont fait de la publicité là-dessus. Aujourd'hui, Super U a retiré l'aspartame de leur propre soda. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il y a les grandes marques. Il n'y a pas les grandes marques, il y en a toujours. Mais aujourd'hui, on a un problème aux États-Unis comme en France. C'est un nouvel édulcorant qui s'appelle sucralose. donc, qui était déjà sur les étagères sous la marque Splenda aux États-Unis depuis des années et en Angleterre en 2004. Quand le Splenda, c'était bleu et jaune, c'était S-P-L-E-N-D-A, est arrivé en France, il a été vite retiré des étagères, c'était très bizarre. Et j'ai su plus tard par une diététicienne de Lille qu'en fait, la fameuse marque Canderel, qu'on va changer la lettre, une lettre, ça ira très bien. Donc Canderel a fait pression pour qu'on retire Splenda parce que ça allait faire de l'ombre aux géants. Ah oui. Donc du coup, on a retiré. Et qu'est-ce qui se passe depuis un an ou deux, je ne sais plus exactement, comme le vent tourne concernant l'aspartame cette année et qu'on en parle beaucoup, les gens commencent à moins acheter. À part pour les cas graves où c'est trop tard neurologiquement, genre 50-60 ans en général, qui en ont pris 20-25 ans, puisque c'est une excitotoxine qui détruit le cerveau pendant des heures après chaque dose. Là, la personne, elle ne peut plus réfléchir, elle est comme dans le brouillard, et elle va consommer en attendant que ça soit interdit. Parce que dans le doute, on continue en France, c'est ça. On n'a pas eu ce déclic. Donc du coup, le Splenda maintenant n'est plus appelé Splenda, c'est sorti chez Canderel comme nouvel édulcorant, sous le mot sucralose. Et les gens, les Français, quand ils sont dans un supermarché, qu'il y a la radio du supermarché qui dit « Achetez sucralose, c'est nouveau, c'est génial, machin, chose, truc », ils y vont. Ils ne sont pas censés savoir qu'on n'est pas sûr si c'est cancérigène ou pas, qu'il y a des livres là-dessus déjà aux États-Unis, que c'est un scandale, et que ça se transforme en chlore dans le sang. Donc ça, on ne va pas le dire. Donc du coup, il y a eu ce débat, puisque Super U a quand même mis du sucralose dans les yaourts à la place de l'aspartame, comme d'autres grandes marques nationales qui retirent depuis un an l'aspartame de leur yaourt, on ne va pas dire la marque, on la connaît tous. Et donc du coup, on a aussi en rayon sûrement d'autres nouveaux produits qui vont sortir sans aspartame. Ça serait intéressant d'aller voir ça tout à l'heure. Mais parce que les industriels commencent à voir le vent tourner. Donc j'ai vu dans un train un jeune garçon qui buvait une bouteille de soda connue, partager avec vos amis. Je dis mais pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi? C'est pour encourager les gens à partager ces boissons avec leurs amis, mais pour écouler les stocks d'aspartame. Pour moi c'est une évidence. Mais bon, on va pas le dire, puisque pour la première fois en 35 ans l'an dernier, les ventes d'aspartame pur ont commencé à chuter. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais, bien sûr. On a le pouvoir de changer les choses. Il faut rendre ce pouvoir aux consommateurs. Donc, dans mon livre à la dernière édition, j'ai rajouté, parce que c'était sur le site podcast.rcf.fr. Et il y a le numéro de l'émission dans mon livre. On pourra peut-être le filmer tout à l'heure. Ouais. Donc, après, il faut s'abonner au site. C'est gratuit pour écouter ça. Donc, c'est une interview entre Serge Papin, directeur du Système U, et Pierre Rabhi. C'est quand même incroyable, deux personnalités pareilles. Donc, tu peux dire en deux mots sur Pierre Rabhi, de savoir qui il est? Alors, Pierre Rabhi est une personnalité qui se bat pour l'écologie, pour une alimentation saine, et qui est très connue, qui a fait partie de plusieurs films. Qui est agriculteur à la base. Agriculteur à la base, et qui fait beaucoup de choses au niveau mondial pour que les gens se réapproprient cette manière de cultiver les fruits, les légumes, etc. Et vous trouverez de nombreux sites, et qui a lancé aussi le mouvement des colibris. Des colibris, etc. Ouais, donc c'est une personne extraordinaire, très demandée, très connue. Et j'étais assez surprise qu'une lectrice m'envoie ce débat, dont j'ignorais l'existence. Donc c'est un débat du 5 décembre 2012, c'est pas loin, c'est pas vieux. Et donc on voit dans ce débat le directeur de Système U qui dit « C'est un peu la fin de l'existentialisme du caddie. » La fin de l'existentialisme du caddie, mais c'est mon rêve, je suis désolée, c'est incroyable quoi. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent un papier dans la boîte aux lettres, venez acheter tel produit, vous aurez un paquet gratuit, deux pour le prix d'un, machin. Donc voilà, donc les gens ils y vont, parce que c'est un peu comme un cochon d'abattoir, on le nourrit, il n'y a plus qu'à manger, on grossit, puis après on va se faire abattre à l'abattoir pour le cochon, mais à l'hôpital pour les consommateurs. Donc du coup il y va, il y croit. Il ignore tout que c'est pas le supermarché qui a payé la pub dans la boîte aux lettres, c'est l'industrie. Donc il arrive, il a sa liste de courses, le pauvre, il sait pas. Il a besoin de lait, il a besoin de bouillon cube, il a besoin de soda light parce qu'il prend du poids. Le diététicien lui a dit il faut en prendre. Il va chercher ses sucrètes parce que le sucre ça fait grossir, mais l'aspartame c'est bien. Donc il va acheter des bonbons pour l'anniversaire du petit parce que mercredi après-midi on fête les 6 ans de l'enfant. Donc on va acheter des kilos de bonbons. Si on n'a pas d'argent, on va prendre des bonbons moins chers. Et si on n'a pas d'argent, on prendra des soda light moins chers, qui sont moins chers que de l'eau. Et on va faire plaisir à l'enfant, parce qu'il se roule par terre dans le magasin pour avoir ses bonbons. Pourquoi l'enfant se roule par terre? C'est parce qu'il est accro. Il a cette addiction, cette envie. Il se souvient, il en a mangé, c'était bon. Donc on va acheter des chips aussi pour l'anniversaire. Et puis pour faire un petit régime, on prendra du surimi pour mettre dans la salade. Et là, c'est bardé de glutamate. Mais bon, on ne sait pas, puisque le consommateur en France n'a pas eu accès à ces informations. Je ne dis pas qu'ailleurs, on mange mieux. Je dis qu'ailleurs... Et j'ai vu, j'étais sur place, les gens sont bilingues, voire trilingues. Je dis qu'ailleurs, il y a eu la presse qui a parlé de l'aspartame en 2005 en Angleterre. Vous allez dans la rue à Londres, aspartame glutamate, les gens ont entendu parler. Je ne dis pas qu'ils n'en mangent pas, parce que c'est des drogues. Aux États-Unis, on dénonce le glutamate comme de la cocaïne. à la télé en 2007 et 2006. En France, on dit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des usines de ça. Et le droit international n'est pas respecté. Les gens ne sont pas informés. Les gens mangent ce qu'ils veulent. Ils peuvent se farcir de pâte à tartiner, ils peuvent prendre des bains de soda light, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils savent ce qu'il y a dedans. Après, on ne peut pas empêcher les gens d'arrêter de consommer ces produits. Libre à eux de consommer ça. Toi, j'imagine quand même que tu as eu des pressions vis-à-vis de tout ça quand même. Parce que bon, tu es quand même une des pionnières en France à avoir osé de parler de ça et à grand public. Moi, je fais partie d'aucun parti politique et d'aucune secte. Même si des gens diront que ce qui celle-là est un peu dérangé. Donc ce que je ne supporte pas, c'est le mensonge et l'injustice. Ça, c'est deux choses, c'est tolérance zéro. C'est même pas bon. Un mensonge pour faire plaisir, pour préparer un cadeau pour quelqu'un, pour son anniversaire, ou voilà, une surprise, oui. Mais un mensonge en disant « buvez ça, ça fait maigrir, ça évite le diabète, mangez ça, ça ira mieux », non. Il y a des bouillons cubes en France, pendant longtemps le slogan c'était « cuisinez-vous une vie meilleure ». En termes juridiques, c'est de la tromperie aggravée. Parce que ces bouillons cubes, c'est la sauce Parkinson, je suis désolée. Et donc du coup, les gens, ils y vont, ah vite, le cube. Il y a des gens, ils mettent 3, 4 bouillons cubes dans une casserole d'eau avec des pâtes ou du riz, 3 ou 4, ou dans la soupe pour la semaine. Donc il faut cuire 5 litres de soupe pour la semaine avec 3 bouillons cubes. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc bien sûr qu'elle sera bonne, la soupe, bonne au goût. Mais quand je dis aux enfants, c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Donc maintenant, on a une génération de grand-mères, 80-90 ans, qui sont fatiguées, elles ont de l'arthrose, elles n'arrivent plus à toucher les carottes, les pommes de terre, elles vont manger des soupes en sachet. Et puis quelques mois plus tard, on ne la voit plus parce qu'elle a Parkinson, Alzheimer, un arrêt cardiaque dans son sommeil, machin. Et c'est ça, ces maladies viennent aussi de là. Il n'y a pas que l'hérédité. Et donc moi, j'ai sauvé plein de grand-mères au rayon soupe, hein, dans les rayons. Parce que c'est pas possible. Alors il y a des grand-mères, la génération surtout 90 ans, qui n'ont pas cuisiné avec ces choses-là, qui savaient quand c'est sorti que c'était de la saloperie, comme elles disent. Moi, j'ai des grand-mères qui viennent, hein, des personnes très âgées qui viennent aux conférences, c'est que du bonheur. Quand vous voyez quelqu'un de 94 ans assis au premier rang, je dis waouh, génial, il y en a encore. J'ai 47 ans, comme ça vous savez tout. Quand j'étais petite, dans le village de 400 habitants où j'habitais, il y avait des grand-mères assises sur les bords de la rue ou sur la place du village, assises sur des chaises de camping en train de tricoter et papoter. Il y avait des grands-pères aussi, ils venaient jouer à la pétanque. Il y avait des personnes âgées toute la journée assises au soleil ou sous les arbres à papoter. Il n'y en a plus. Il n'y a plus l'insécurité, la peur, la violence. Il n'y a plus de grand-mère, papy, mamie sur les places du village. Moi, j'en vois plus. Et la place du village où j'habitais avant, aujourd'hui, elle est déserte. Parce que j'ai revu sur internet en photo. Donc voilà, c'est affolant, c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un empoisonnement massif à coups de médicaments, parce qu'on a 14 000 produits à l'aspartame au niveau alimentaire, entre 350 et 600 médicaments à l'aspartame, et la majorité des aliments supermarchés contiennent du glutamate. C'est les additifs les plus dangereux. Après, il y a d'autres produits. Il y a les colorants, il y a l'huile de palme, il y a le sucre, il y a le sirop de glucose. Ça n'a pas arrêté en 50 ans. Donc du coup, il y a l'hérédité, on peut faire un cancer, parce que la grand-mère avait un cancer, on peut faire... Après, il y a le stress, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi l'alimentation. Si vous regardez le film « Nos enfants nous accuseront », au début, il y a une grande réunion, et il y a un médecin américain qui dit « On est en face de la première génération d'enfants qui est en moins bonne santé que celle de ses parents pour la première fois tous les temps. » Et ça ne doit pas... Il dit « That shouldn't be ». Ça ne devrait pas arriver, on ne devrait pas en être là. Et bonjour les enfants. Bonjour. On a les brioches de l'école publique de Varginne. Est-ce qu'elles sont bio? Oui, elles sont bio. Et ça veut dire quoi, bio? Pas traité. Pas traité, bravo. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. Aujourd'hui, on a des enfants obèses à la naissance. On a des petites filles obèses à 6 ans. On a des adolescents en France à 150 kilos. C'est affreux. Non, mais c'est on peut pas dire que là, c'est que la génétique. C'est pas possible. Donc du coup, je finis pour Serge Papin. Bien sûr. Il dit, c'est un peu la fin de l'existentialisme du caddie. Plus loin, dans la même interview qui dure plus d'1 heure, il dit maintenant... Il y a la preuve qu'il y a un lien entre alimentation et santé. Donc là, ce n'est pas le ministre de la Santé qui parle, c'est un directeur de supermarché. C'est grave. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on appelle les maladies cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, viennent d'une alimentation mal faite, mal produite, Donc, ça veut dire qu'on a l'obligation de changer les choses. C'est quand même hallucinant de voir ça. Un directeur de supermarché qui parle comme ça et qui avoue que ces maladies viennent d'une alimentation mal produite, cancérigène, mutagène et reprotoxique, c'est-à-dire qui empêche les gens de se reproduire. Plus loin dans l'interview, parce que j'ai pas pu tout mettre dans mon livre, il explique qu'il a une liste de 80 produits toxiques à retirer des aliments. 80. Donc il parle de l'huile de palme et il dit cocorico, loukatmi, regardez-moi, j'ai retiré l'aspartame des yaourts. Youhou, super. J'ai mis autre chose dedans, mais bon. Voilà, ça le dit pas. Mais donc du coup, maintenant, cette même chaîne de supermarché a sorti un soda light sans aspartame. J'ai acheté une bouteille, j'ai pris en photo. Et ils ont dit, on l'a fait. Regardez, on l'a fait. C'est bien, ouais. C'est bien. L'aspartame est neurotoxique. Mais à la presse, il y a le sucralose et l'acésulfame K. Donc c'est un peu mieux, mais c'est un peu mieux faire. Ah, bah oui, donc oui. L'idée, ça serait, j'aimerais beaucoup, si jamais il voit cette vidéo, Monsieur Papin, c'est de vous rencontrer, moi, en tant que conférencière sur les effets secondaires des additifs, et de vous aider à faire mieux dans vos recettes. Comme ça, vous serez peut-être la chaîne de supermarché qui montre l'exemple en France. Du coup, ça fait une bonne pub pour lui en plus. Bah, oui, je pense que oui, mais c'était quand même un débat assez très intéressant entre Pierre Rabhi et Serge Papin. Ouais, mais bon, je l'ai en référence là, donc dans le livre, et c'est quelque chose à écouter. Donc c'est un peu long, il faut du temps, peut-être faire autre chose en même temps, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de prendre des notes. Le lien sera diffusé en même temps, il n'y a, pas de souci. Donc voilà, donc l'idée c'est d'informer. Donc dans le livre, il y a atelier, lettre aux lecteurs, il y a aussi lettre aux enfants, message, il y a pourquoi, comment, le tableau, l'index. Et à la fin, bien sûr, pour donner plus d'informations, la partie aspartame, la partie glutamate monosodique, acide citrique, etc. Additifs pour les animaux. Quand les gens achètent des croquettes pour chiens et chats, par exemple, on ne va pas parler des autres animaux, il y en a beaucoup, des animaux de compagnie, il y a marqué additifs autorisés CE, autorisés par la communauté européenne. Mais le chat, il ne va pas lire les étiquettes. Et le propriétaire, encore moins. Or, la plupart, si ce n'est pas toutes, de ces aliments pour chiens et chats sont farcis de glutamate monosodique, pour donner envie de manger au chat et le rendre accro à cette marque-là. Donc ça, c'est un ancien employé d'une grosse société de croquettes qui me l'a dit. Donc du coup, l'animal va manger, mais comme vous savez que ça provoque l'obésité sur les rats et sur les humains, évidemment, ça va provoquer l'obésité, le diabète ou l'épilepsie chez les chiens et les chats. Et donc le chat a des troubles du comportement, il est agressif, il sent mauvais, il a des problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis, de machin, de trucs. Et même, on voit des sites entiers aux États-Unis d'animaux en surpoids. Mais on ne va pas faire marche arrière. Bah donc non. Du coup, l'idée c'est de savoir. Il existe maintenant des sociétés qui font des croquettes naturelles ou bio. Bon, moi j'ai essayé ça pour mon chien à un moment, mais après j'ai réalisé que c'était très cher. Et j'ai découvert un livre américain sur l'alimentation vivante pour les chiens. Et donc je me suis dit, tiens, vas-y. Et donc du coup, elle a donné de très bonnes idées pour se procurer des ingrédients quasiment gratuits. Et mon chien mange comme ça. Donc après, bon, ça c'est parce que j'ai un animal de compagnie que j'aime. Quand on a un chien, un chat, en général, c'est pas pour le battre toute la journée ou le laisser attaché. Sûr, ouais. C'est pour l'aimer et pour tenir compagnie aux enfants. Les enfants adorent les animaux, c'est normal. Donc du coup, il y a 2 pages là-dessus, avec des références aussi, parce que là, il n'y a plus de limite, quoi. Il n'y a pas de réglementation, les industriels font ce qu'ils veulent. Il y a aussi le livre « Arômes dans notre assiette, la grande manipulation de Hans Ulrich Grimm » chez Terre Vivante. Et là, il parle aussi de l'industrie des croquettes et tout ça, ça fait peur. C'est le même auteur, Hans Ulrich Grimm, qui a écrit le livre Le mensonge alimentaire aux éditions Très Daniel. Je vous le conseille, c'est en français, c'est lisible par tous, si on a envie de lire. Faut-il encore avoir la mémoire? Il y a des adolescents en cours, hein, 16-17 ans, ils lisent un chapitre, arrivés au bout de 10 lignes, 15 lignes, ils ont oublié ce qu'ils ont lu au début. Donc les profs, ils craquent en ce moment. Ils ont des enfants qui se battent en cours, à coups de compas et de ciseaux. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Dieudonné l'institutrice. C'est choquant comme sketch, c'est très drôle, mais on y est. Ouais, on a beau dire ce qu'on veut sur Dieudonné, en tout cas, ce qu'il dit là-dedans. Franchement, là, c'est ça. Et à un moment, Dieudonné, il dit, mais attendez, moi j'ai des élèves, ils ont 6 ans, mais ils font 120 kilos, quoi. Et il dit, il s'attaque à coups de compas de ciseaux, puis il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que José Bové, avec ses OGM et son McDo, il a raison. Donc c'est quand même bien tourné. Mais on y est, la violence dans les écoles, même primaires, maternelles, à cause de cette malbouffe. Donc il faut vraiment arrêter. 6 ans et demi quand même, ce gamin, quand même. Enfin, si je dis 6 ans et demi, mais il en paraît 25 aussi. Ah, faut que vous veniez les voir, faites attention, mais... Oh là 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 là, oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante, vous vous rendez compte? Hein, ben oui, mais je crois qu'il a raison. Vous savez, José Bové, là, avec tout... Oui, oui, non, non, tous ces produits transgéniques, les OGM, les McDonald's, tout ça, c'est pas normal, les croissances qu'on observe, nous. Moi, j'en ai pas un en dessous de 2 mètres dans la classe. Ah oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante. Hein. Quand vous avez un gamin de 150 kilos qui vous fonce dessus avec un compas, vous faites comment? Sans compter que là-dedans, ça a toujours 6 ans et demi. Donc le livre, après, on le lit bien, jusqu'à la fin, il y a la conclusion, il y a plein de références bibliographiques et internet en français et en anglais, et aussi produits testés pour vous, pour diriger les gens vers des aliments plus sains, français si possible et non irradiés. C'est aussi l'irradiation, c'est un autre sujet. Donc on ne parle pas ici des pesticides, des allergies aux produits laitiers, des intoxications métaux lourds. On ne va pas parler du problème du soja, ça serait notre interview, des OGM. Mais pour finir sur les OGM si on veut, il y a aussi un dossier sur mon site où je parle de Jeffrey Smith, qui a sorti un livre, Genetic Roulette, un film et un livre, et qui est sorti il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et donc dans Genetic Roulette, on voit bien la dangerosité des OGM. Et il a édité aussi sur son site un petit PDF, un carnet, où, à, je pense que c'est page 14 ou 16, il y a la liste des additifs qui pourraient être dérivés d'OGM. Il y en a 100. Et le premier, c'est quoi ? Tada ! Aspartame, le 951. Voilà. Et donc du coup, c'est quand même hallucinant. Et là, c'est la molécule de phénylalanine, qui selon certains experts américains, est dérivée d'OGM et d'autres sources, que je vérifie parce que c'est très grave. Et donc et là, on ne dit rien. Donc on vous dit, c'est bon, il n'y a pas d'OGM dans les champs. Même les Américains pensent, pour certains, qu'en Europe, il n'y a pas d'OGM dans les champs. Ah, c'est... Oui, ah ouais. Et que les Français ont bien réagi avec les faucheurs volontaires et compagnie. Ah ouais. Mais on en bouffe des OGM. Donc il est grand temps de réagir avant que les Français, surtout les enfants, deviennent tous génétiquement modifiés. Parce que ça suffit. Alors écoute, moi je te propose, avec cette belle intro que tu viens de nous faire, on va aller vérifier tout ça de par l'atelier que tu vas faire, et puis voilà. Dans un supermarché on va aller rigoler un petit peu. Oui, ça serait bien. On va voir ce qu'on va faire et puis c'est parti, vamos a la playa. Vamos a la playa. Et je vous souhaite à tous vraiment une excellente santé physique et mentale, et surtout pour les futurs adultes de demain qui seront les parents de la prochaine génération. J'ai vu trop de grands-parents me dire, j'ai une petite fille atteinte de 3 tumeurs au cerveau depuis la naissance, j'ai vu trop d'enfants obèses dès l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, et j'avais été aussi en Belgique faire un atelier dans une école primaire, et quand j'ai sorti les boîtes d'édulcorants pour les enfants, j'ai dit, qui c'est qui a ça à la maison? Les enfants ont dit, moi, ma mamie elle en prend, mon papa en prend. Et il y a une petite fille de 9 ans qui était en surpoids et qui a dit mon papa il en prenait plein tous les jours. Et quand j'ai dit il en prend toujours, elle me dit non, mon père est mort. On y est, on est en plein dedans, les pieds dedans, et il est grand temps de réagir pour le bien-être des enfants, des parents et des grands-parents, car on a le droit d'être heureux en bonne santé en famille. Il y a trop de grands-parents qui ont Alzheimer de plus en plus tôt ou Parkinson, et c'est un drame pour toute la famille. Et il y a aussi beaucoup d'AVC en France à tous les âges. En France, depuis quelques années, on parle aussi d'AVC du nourrisson et AVC de l'enfant. C'est pas des blagues. À taper sur internet AVC du nourrisson, vous allez voir, c'est affolant. Donc il y a des bébés qui font un AVC en fin de grossesse dans le ventre de leur mère ou le jour de leur naissance. Donc c'est pas un film de science-fiction, je suis désolée. Je connais Belinda Barnes qui a 83 ans, qui a aidé 7000 couples dans le monde à avoir un enfant beau, intelligent, à terme et sans déformation congénitale. Sur ces 7000 couples, il n'y en a pas un qui fait un AVC, il n'y a pas un enfant qui naît avec des troubles du comportement, il n'y a pas un enfant qui naît avec un cancer. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a plein de, nous sommes entourés de produits chimiques, cosmétiques, produits ménagers, etc. Et donc il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Et sinon, suivre les conseils de Sue Dengate en Australie, utiliser ce qu'elle appelle le régime d'élimination pour le mieux-être des enfants, même si une fois qu'ils ont été intoxiqués. Donc ça sera peut-être un reportage en France avec des enfants français en utilisant ce que fait Madame Dengate en Australie. Car les enfants en Australie, les enfants aux États-Unis, les enfants en France, en Belgique, en Italie ou en Suisse, ce sont les mêmes biologiquement. Il y a juste l'uniforme ou le mode de vie ou le langage qui change, vous voyez. Tous les enfants sont les mêmes et donc ils réagissent pareil aux produits. D'accord? Merci Corinne. Allez, c'est parti, on y va. Bonne santé. Bonne santé à vous. Après cette introduction forte en information, nous nous sommes rendus en supermarché afin de mettre la théorie en pratique. Attention, nous n'avons pas pu faire tous les rayons où les additifs étaient présents. Ceci est qu'une infime partie de ce qu'il y a présent en supermarché. Alors Corinne, ici on se retrouve devant le... Savourer plus qu'un repas, devant les produits qui ne sont pas magiques. Et je suis assez affolée de voir cœur de couillon avec une boîte texture fondante, voyez-vous. Donc moi je suis désolée, c'est pour rendre les gens vraiment couillons, et c'est pas de l'humour noir. Quand vous regardez derrière, on fond au cœur des plats, bah oui c'est sûr, à la poêle, après cuisson ou même cuisson à l'eau. C'est du délire. Donc si on regarde bien, on a jus de légumes à base de concentré, on s'en doute. Carottes aux pesticides bien sûr, oignons, céleri, panais, fenouil, chou-fleur. Sirop de glucose, c'est un ingrédient pour faire grossir. Sel, eau, huile de tournesol, comme ça c'est pas d'huile de palme. Extrait de levure, là c'est une source de glutamate monosodique. Et pour avoir confirmation, vous allez voir le reportage sur YouTube. Poudres et potions de l'industrie alimentaire. Donc là c'est une source de glutamate monosodique. Sucre, évidemment. Légumes en semoule, 1,8%. Carottes, oignons, poireaux, persil, poivre, arôme. Dans arôme, il peut y avoir 3 sources de glutamate à nouveau. Épicissant, gomme xanthane et carragénane, c'est pas idéal. Et acidifiant, acide citrique. Donc l'acide citrique va, est fait à partir de moisissures, va permettre à plus d'aluminium de passer dans le cerveau si jamais la personne consomme des plats dans des boissons en canette, etc. Donc ça, quels sont les risques de maladies, migraines, œdème de Quint, état de fatigue chronique, saut d'humeur assez rapide, à peu près 1 heure et demie après, des fois 30 minutes si c'est une personne âgée. Et crise de rage, état dépressif, tremblement, douleur articulaire. Et éventuellement, si la personne est sensible au glutamate monosodique, jusque-là, ils ont pris le soin de ne pas mettre le code E621 ni le mot glutamate de sodium, et bien, du coup, les gens ne font pas attention. Et en cas d'allergie, on peut faire une quinte ou un arrêt cardiaque fulgurant 2 heures après le repas. Alors, pour les gens qui s'intéressent et qui aiment les bouillons, est-ce qu'il existe des bouillons autres qui peuvent être... Alors, ben, par exemple, si on prend ça, on se dit c'est génial, ils ont sorti un truc bio. Et en fait, ben, quand vous savez les intérêts qu'il y a entre le fabricant de glutamate et cette marque, qu'on va appeler ici Connard, et ben, du coup, on voit les ingrédients et c'est pas forcément 100% bio. Donc les gens se rabattent là-dessus, il y a du sucre, reste végétal, tout ça c'est bio. Les légumes là sont bio, la pomme de terre et les épices sont bio, l'aromate c'est de la livèche et du persil, donc ça va. Et vous allez trouver l'extrait de levure qui est en haut. Et voilà, là vous avez extrait de levure. Et donc ça c'est une source de glutamate monosodique. Mais les gens comme ils ne lisent pas parce que ça fait baisser la vue, eh ben, ils prennent ça, ça coûte plus cher, forcément, et ils se disent c'est un nouveau produit bio. Mais est-ce qu'il en existe des vraiment bio? Ça existe sur le marché? Oui, sur le marché ça existe. C'est un produit allemand. C'est le seul, parce que même quand vous allez en boutique bio, là vous avez des tas de bouillons soi-disant bio, ouais, avec l'extrait de levure dedans. Ouais. Et donc là il faut faire très attention. Donc du coup, le seul produit que j'ai trouvé, ça s'appelle Sapori. C'est un produit en poudre. C'est des épices, des fruits, des légumes mélangés et réduit en poudre avec un peu de sel. J'avoue, j'ai goûté, c'est vraiment bon. Et voilà, là c'est très bon et c'est garanti sans glutamate ajouté. Tandis que là, ça c'est la sauce Parkinson, hein, je suis désolée. Donc il y a aussi beaucoup d'états dépressifs, beaucoup de gens qui vont pas bien du tout, et il y a plusieurs effets secondaires qui sont répertoriés dans mon livre. Donc ça c'est vraiment à éviter, mais quand vous voyez le marketing sur l'emballage, cœur de fond, donc ça donne envie d'en acheter, et puis des petits moments d'emploi. Évidemment la marque vous la connaissez tous, et les ingrédients sont là, hein. C'est sous la boîte, on va pas le lire, on va acheter. Et là, il y a une très forte addiction aussi, une très forte dépendance. Alors ça, au niveau de la France, comment ça se passe? Parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a plus de facilité pour dénoncer ce genre de choses. Alors en France, comment? Non, c'est au lait complet. Certaines chaînes de télévision ont essayé de faire des reportages sur le sujet, m'ont interviewé et au dernier moment, je n'étais plus dans l'interview. Alors quelle chaîne? Est-ce que tu peux le dire? Arte. C'était pour l'émission Global Mag. Donc du coup, passez du temps et d'énergie à donner toutes vos infos à des journalistes qui vont filmer là-bas, des associations qui dénoncent le glutamate aux États-Unis, etc. Et puis après, vous recevez un coup de fil 2 mois plus tard. Bonjour Madame Gouget, je vous appelle pour vous dire que l'émission passera au mois d'octobre à 13h30, un mardi, qui va voir un truc comme ça. Et puis après, ben, en fait, vous ne serez pas dans l'émission parce qu'on a trop d'interviews. Donc là, j'ai commencé à bouillir, hein. Je ne prends pas de glutamate pourtant, mais et là j'ai dit, vous m'entendez Virginie? Elle me dit oui, je vais aller vous faire foutre. En plus, elle m'appelait pour avoir des références d'un livre qui était au fond d'un carton alors que j'étais en plein déménagement. Ouais. Donc j'ai dit, le livre est au fond d'un carton, débrouillez-vous, achetez-le sur internet. Et puis j'ai dit, allez vous faire foutre, c'est bon quoi. Alors est-ce que c'est les journalistes ou est-ce que c'est la pression de... C'est la pression de la direction au-dessus. Elle a fait son boulot, elle a fait plein d'interviews pour ce reportage de 13 minutes. Ouais. Et puis après, on lui dit, ben non, ce qu'elle dit là, ça dérange. Faut surtout pas dire que ça détruit le cerveau. Ben non. Et donc, sûrement. Et donc, j'ai envoyé un email après. Donc, par la suite, j'ai eu un lecteur qui m'a aidé à sous-titrer la célèbre vidéo « La vérité sur le glutamate monosodique » qui est passée à la télé en 1991 aux États-Unis, dans 60 Minutes. Et dans un livre très récent que je viens de lire, on explique pourquoi à l'époque, ceux qui fabriquent ça, voilà, la firme qui fabrique le glutamate a fait des pressions sur les médias pour que ce reportage ne passe pas ailleurs. Donc il y a eu d'énormes pressions par la suite sur le journaliste même qui part dans l'émission. Et je suis dégoûtée de voir que les médias français n'ont rien fait pour informer la population en France. Est-ce que tu penses que la situation se débloque petit à petit vis-à-vis de ça ou pas du tout? Alors il y a une prise de conscience du public, il n'y a que comme ça qu'on changera le système, parce que comme me disait une petite fille, de 8 ans dans un train, elle me dit c'est comme une montagne, eux ils sont en haut, ils se croient les plus forts, mais on est en bas et on est plus nombreux. Bien sûr vous êtes plus nombreux, vous avez le pouvoir de changer les choses. Si vous n'achetez plus, soit ils changent leurs recettes, ils vont être obligés, ou alors ils vont plus vendre. Seulement, comme ça provoque une addiction, que ça fait baisser la vue, et les problèmes de vue liés au glutamate monosodique est éprouvé dès les années 55 aux États-Unis sur l'animal. Donc du coup, vous portez des lunettes, vous êtes pressé, vous êtes dépressif, vous avez envie de sortir du magasin. Donc on prend. Et j'ai vu récemment un jeune de 17 ans qui adore les bouillons cubes, et qui avait les deux jambes qui tremblaient, et qui avait plein de symptômes, et qui lui prenait en plus beaucoup de chips, qui sont aussi bardés de glutamate monosodique. Et lui, en plus, il prenait des sucrètes comme des bonbons dans la bouche, quoi, à 17 ans. Donc après, il avait le syndrome des jambes qui tremblent. S'il continue comme ça, c'est Parkinson. Donc ça détruit, c'est une excitotoxine qui va détruire les neurones du cerveau, affecter le cœur et les organes vitaux pendant 48 heures. Les effets secondaires peuvent survenir dans l'heure qui suit ou jusqu'à 2 jours après. Oui. Et ça, c'est clairement expliqué, scientifiquement prouvé depuis des années. Et seulement en France, c'est la chape de plomb sur l'info. Alors pour ceux qui sont bilingues, est-ce que tu as certains professeurs que tu peux citer oui, qui ont... Pour ceux qui sont bilingues, c'est très simple. Vous allez sur YouTube et vous tapez Dr. Russell, R-U-2-S-E-L, Blaylock, B-L-A-Y-L-O-C-K. Alors c'est quoi sa profession à lui? Alors lui, il est un ancien neurochirurgien et nutritionniste. Et il a fait énormément de conférences depuis les années 90 sur ce glutamate monosodique et l'aspartame. Et il a fait un livre en 94 de plusieurs pages. Pendant des années, il a écrit ça. Et il y avait plus de 400 sources scientifiques dans le livre. Donc tout ça a été prouvé. Il y a un très bon film qui est en anglais qui s'appelle The Beautiful Truth. Et dans ce film, on voit aussi Jack Samuels qui nous a quittés il y a un an malheureusement. On voit aussi John Olney. Le premier, c'était John Olney. Donc dans un film en français, vous avez Notre Poison quotidien. On y est en face. Hein. Et donc du coup, Marie-Monique Robin, sur mes conseils, a réussi à aller interviewer John Olney à New York et le professeur Ralph Walton. Et John Olney est un spécialiste du cerveau qui a fait énormément de recherches, plus de 200 textes là-dessus, depuis les années 55, 60, 70. Et qui a tout fait pour qu'on retire le glutamate monosodique des aliments pour bébés. Or, ils l'ont pas retiré, ils ont juste changé le nom. Donc aujourd'hui, la difficulté avec ces produits, c'est que ça se cache sous 30 à 40 noms différents, selon les doses, et qu'il y a eu tellement de corruption avec Monsanto, entre autres, la FDA et tout ça, avec des systèmes de porte tournante, des experts payés par la FDA pour dire tout va bien, alors qu'ils ont travaillé avant pour Monsanto, puis qui retournent chez FDA, et qui, voilà. Donc c'est très bien expliqué dans un nouveau livre de Madame Adrienne Samuels, qui vient de sortir, et là c'est affolant, quoi. Donc l'idée c'est d'informer les gens que selon l'article 24 de la Convention internationale du droit de l'enfant, les parents ont droit à des informations concernant la nutrition de l'enfant pour son bien-être physique et mental. Et cette convention internationale n'est certainement pas respectée concernant la santé de l'enfant, ni en Europe ni ailleurs, parce que ce qu'on favorise en France, comme on le voit très bien dans le documentaire Les Alimenteurs, on favorise l'emploi dans le milieu agroalimentaire qui est le premier marché en France, plutôt que la santé des consommateurs. Et donc du coup, si le consommateur mange ça et qu'il a Parkinson, qu'il a une abus de fibromyalgie, des excès de rage et compagnie, on va lui donner quoi? Des médicaments. Et ça rejoint ce que dit Claire Sévrac dans son livre Complot mondial contre la santé. Donc là, on parle aux États-Unis, du moins, on parle de génocide par l'alimentation. Oui, parce qu'il faut savoir que ces gens qui produisent ça, ils mangent pas de ça. Non, ah non, les gens qui produisent ça, surtout la direction. Après, les employés, des fois, ils ont des sacs gratuits, hein, ceux qui fabriquent, mais la direction, ils surtout pas. Ils ont des contrats de confidentialité, et même les employés de haut niveau, on va dire directeur des ventes et tout, je sais de quoi je parle, n'ont pas le droit de parler à leur famille de comment ils fabriquent le produit. Tu as eu, toi, dans ta famille, de ce cas-là? Ça, oui. Oui, et qui, cette personne était très haut placée et ne ramenait jamais ce qui était fabriqué dans cette usine pour manger à la maison, jamais, en 4 ans. Hein. Ah. Donc si, il a ramené pour faire goûter aux clients dans des jolis saladiers, parce que c'est de la salade en sachet, mais jamais il nous a fait manger ce qu'il vendait. Et au départ, cette personne travaillait dans les fruits, légumes, pommes, bananes, et jamais il nous ramenait des pommes et des bananes du travail. Ouais, parce que, ça en dit long, ça en dit long. Jamais. Ouais. Donc du coup, voilà. Et les gens, du coup, surtout en Afrique, on a énormément de problèmes avec ça, avec ces produits-là en Afrique. Et les Africains ne savent pas lire. Il y a différentes marques, hein. Il y a ça, il y a des sous-marques, etc. En poudre, en seau, en pot. Et là, c'est l'obésité aussi, parce qu'en fait, comme ça détruit la partie frontale du cerveau, ça provoque des dérèglements endocriniens, d'où l'obésité, le diabète, etc. Parkinson, beaucoup de Parkinson. Parce que le glutamate monosodique, lui, va détruire certaines familles de neurones d'une manière différente que l'aspartame à cause de la composition du produit. Tu parlais de l'obésité, là, juste, j'avais entendu. C'est l'origine de l'obésité. Tu avais dit un chiffre, j'ai entendu, quand je parlais avec toi, au niveau de l'obésité qui avait augmenté. Combien en 2010 ? En France, quand je suis passée au ministère de la Santé en juin 2011, j'avais pris plein de références sur Internet et on était à 4 millions d'obèses en France. Aujourd'hui, on a 7 millions. Alors l'une des raisons pour lesquelles c'est surtout ça, mais il y a aussi toutes ces cliniques d'amaigrissement pour adolescents qui conseillent et qui préconisent boisson lactée à volonté et sucrée à volonté. Donc évidemment la jeune fille elle a maigri le temps de son séjour dans la clinique parce qu'il a compté les calories, elle a lu les étiquettes de la mauvaise manière, mais en rentrant c'est ah le docteur il a dit boisson lactée à volonté. Donc la jeune fille elle a 18 ans, j'en connais une, elle achète plein de Coca Light aussi pour sa petite soeur de 9 ans. Et les kilos reviennent, mais comme ça, je veux dire, c'est de la folie. Donc du coup, on arrive aujourd'hui à des cas, et c'est pas une blague, je sais de sources sûres, c'est très grave. L'année dernière, à Paris, il y a eu un jeune garçon de 15 ans à 157 kilos, et les parents ont voulu lui faire mettre un ballon dans l'estomac pour qu'il mange moins. Donc la prévention, c'est à l'âge de 4-5 ans qu'il faut commencer, c'est pas dans cet état-là à 15 ans. Ils ont vu une fille de 14 ans à 197 kilos, et j'ai vu la présidente d'une association récemment qui m'a dit, ben maintenant, on a des cas à 40 ans à 300 kilos, en France. Je parle pas des États-Unis. Donc 300 kilos 40 ans, j'aimerais bien aller voir ces victimes de cette malbouffe. Ça ne peut pas être autre chose que la malbouffe dans ces cas-là. Et aider ces gens-là, comme on fait aux États-Unis, en changeant complètement d'alimentation pour maigrir sans forcément des opérations. Parce qu'il y a des gens, les opérations, ça fait des séquelles quand même, nos gastriques, on enlève la moitié de l'estomac pour faire 55 kilos, alors qu'on peut perdre 55 kilos en changement d'alimentation et en étant suivi, pour les cas d'obésité morbide, en étant suivi par un médecin informé ou un naturopathe. Mais non, donc moi, j'ai une très bonne amie, qui a 47 ans et que je n'avais pas vu pendant 20 ans. Elle a pris tout ce qu'il ne fallait pas, glutamate, aspartame et compagnie. Et quand on s'est retrouvés, elle faisait 122 kilos. Quoi. Donc elle n'a pas eu d'opération. Elle m'a retrouvée à 3 ans. Elle s'est retrouvée à 3 ans et aujourd'hui, elle a moins 33 kilos en changeant d'alimentation, c'est tout. Elle n'a pas eu d'opération et elle est heureuse comme tout. Elle bouge beaucoup plus facilement et compagnie, bien sûr. Et là, elle a encore quelques kilos à perdre, je pense, pour arriver à un poids idéal et c'est du bonheur, quoi. Donc c'est juste vraiment en faisant attention à ce qu'on mange. À lisant les étiquettes. C'est pas qu'en faisant attention, parce que si vous bouffez ça, le kilo, il reste. Hein. Vous avez beau avoir 4, 5, 6, 7 opérations de l'estomac pour maigrir, si en rentrant vous prenez des sucrètes, l'obésité elle revient. Donc ce qui est intéressant, c'est, bon, là ça fait grossir c'est sûr, puisque ça provoque une addiction, on va en remanger, et puis bah, ça dérègle le cerveau et tous les différents organes. Mais après, si on rentre chez soi après une opération drastique de l'estomac, et qu'on reprend des sucrètes, des boissons light et des machins, parce que ça ne fait pas grossir, c'est marqué, c'est sans sucre, les kilos ils reviennent, opération ou pas quoi. Donc c'est dramatique, absolument dramatique. Moi j'ai des cas, je ne sais pas s'il est encore vivant, celui-là 23 ans, après être passé à la télé sur France 3 dans Mâcher Crève pour striptease. Bonjour Madame Gouget, je vous ai vu à la télé, j'ai 23 ans, je bois 5 litres de Coca Light par jour quoi, et 130 kilos. Donc là je ne sais pas s'il est encore vivant, il a eu un problème à l'estomac, c'est grave, par la suite, vous imaginez 5 litres par jour. Donc le matin c'était 800 grammes de fraises à la gélatine de porc et du soda light pour le petit déj quoi. Ça fait peur, quoi. Ça fait pitié, quoi. Donc du coup, on fait rien pour prévenir ces gens. Et puis s'ils en boivent, puis ils en veulent. C'est une addiction. Il y a des gens aux États-Unis qui sont internés en clinique hein, pour arrêter de boire ça. Il y a 5 cliniques aux États-Unis, 2 au Canada, 1 au Brésil. En France, il y a R-I-E-N. Moi, je peux plus. Je te propose qu'on va aller voir un peu le reste. On va aller voir chips, soda light et tout ça. Et je vais prendre ça parce que je vais le faire. Je vais transformer le truc. Ça, c'est de la tromperie aggravée. Et on va appeler ça cœur de couillon. Alors ça c'est quoi? Steph Cola. Alors si vous voulez un enfant obèse avec des cheveux qui tombent et des lunettes, vous achetez ça. Oh là 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 là. Donc voilà un cola pas cher à 38 centimes la bouteille, ça fait moins cher que l'eau en bouteille. Ingrédients, eau gazéfiée, colorant, caramel 150D, acidifiant, acide citrophosphorique, quelle horreur, édulcorant cyclamate, aspartame, acésulfame, ils n'ont même pas mis le K, et saccharine, là c'est hyper dangereux. Extrait naturel de végétaux, arôme naturel, c'est du glutamate, caféine. C'est affolant, quoi. Absolument affolant. Donc là, je suis désolée, pour moi, c'est du crime organisé. Et là, vous avez les effets secondaires sur l'image. Hein. Ils font de la limonade comme ça aussi. Donc on arrive à une situation où ce genre de produit est moins cher que de l'eau en bouteille. Et on donne ça aux enfants. Et là, il n'y a même pas marqué light. Si, il y a marqué là, en tout petit. Marque déposée, boisson rafraîchissante gazeuse aux édulcorants intenses. Et comme ça fait baisser la vue, on va pas voir. On va croire que c'est un cola normal. Punaise, ça c'est grave. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou les enfants qui ont un peu d'argent de poche, ils vont prendre ça pour après s'acheter des bonbons à côté. Non, là c'est très grave, quoi. Là vous avez assez... si la personne boit ça, elle peut mourir le soir même. Là, il y a un bel AVC en préparation, tumeur au cerveau, ça aggrave les cancers. Donc en fait, ça équivaut même à une boisson light en fait. Oui, ça équivaut à une boisson light, mais encore plus dangereuse. S'ils ont rajouté de l'acésulfame K avec du cyclamate, vous avez de la saccharine. C'est pas bon du tout, quoi. Et là, de l'acide orthophosphorique, alors que d'habitude, c'est juste de l'acide. Vous avez le caramel cancérigène qui est là. Là, c'est une boisson vraiment cancérigène. Et il y a bien marqué qu'on tient une source de phénylalanine pour aider les gens qui souffrent de phénylcétonurie, qui est une intolérance à la phénylalanine. Bien sûr, il faut consommer avant la date indiquée et il ne faut jamais consommer en fait, quoi. Et c'est vraiment de la tromperie là. Parce que les gens, moi, quand j'ai regardé moi-même, je dis ça, c'est un cola normal, quoi. Là, vous voyez, c'est vraiment écrit psy. En plus, c'est marqué en plus aux édulcorants intense en plus. Il n'y a pas marqué cola light ou diet cola ou machin. Donc là, la personne prend ça pensant prendre un vrai cola, quoi. Un vrai poison, ouais. C'est vraiment très très grave. Et je sais qu'ils font la limonade comme ça aussi. Non, mais vous voyez, ça c'est 38 centimes la bouteille, quoi. Cola Steph, ouais. 38 centimes la bouteille d'un litre et demi. Donc on va comparer le prix avec des marques connues. Si on va... Ah non. Attrape ça. Partagez avec votre famille. Non, au secours, aidez-moi. Non, voilà. Et donc là, on a un truc à 1,11 €. Non, c'est pas celui-là. 2,31 € non plus. Il est où celui-là? Qui c'est qui a posé? Il n'est pas à sa place. On va trouver la place. Par là. Partagez avec votre famille. Je rêve. C'est où ça? C'était où? Il n'est pas à sa place. Là. C'était là. Ça, c'est vraiment... Alors, pourquoi partager avec votre famille? C'est très clair. Le 15 mai 2013, l'EFSA a promis, enfin, après des années de débats, qu'ils vont publier sur leur site internet les 200 commentaires des scientifiques qu'ils ont reçus avant le 15 février 2013. Alors, concernant quoi exactement? Alors, le 15 février 2013 était l'échéance pour faire des commentaires au sujet de l'aspartame sur le site de l'EFSA. Sauf que voilà, c'était basé sur un texte de 7000 lignes, ou je ne sais plus combien, des milliers de lignes. Et il fallait se référer à une ligne pour faire son commentaire en anglais. Évidemment, les Français ne sont pas bilingues. C'était un texte assez scientifique, il fallait donner des raisons, etc. Donc du coup, à plusieurs dans le monde entier, pour l'association Mission Possible Internationale, avec aussi d'autres scientifiques haut placés, en Espagne, en Italie, il n'a pas voulu, professeur Soffriti. Et bien donc, on s'est attelé à envoyer nos commentaires avant cette date fatidique du 15 février. Ça, les médias vous en ont pas parlé, bien sûr. Et donc, du coup, de fil en aiguille, parce que bon, je suis en relation avec l'EFSA depuis 2008 quand même, où j'ai fait un travail de recensement avec 90 cas de personnes victimes de l'aspartame. Et le travail de recensement ayant fait trop peur, il a servi à rien. Donc, la personne qui s'est occupée du dossier ne fait plus partie du groupe d'études de l'aspartame à l'EFSA. Il s'appelle Jeffrey Moon. Et je lui dis, moi, je vais faire votre travail bénévolement. Moi, ça va me prendre 3 semaines et des heures de travail. Mais si ça sert à rien, je serai furieuse. Comme ça a servi à rien parce que ça, les effets secondaires étaient tellement graves jusqu'à la mort, ben c'est passé, je pense, à la trappe. Et lui, il n'est plus dans l'équipe. Mais je n'ai jamais recontacté parce que je serais vraiment désagréable vu la dangerosité du produit. Donc aujourd'hui, on en est à la situation où l'EFSA a organisé le 9 avril 2013 une réunion d'experts. Alors il y avait la France qui a envoyé une personne que j'apprécie pas trop, mais bon, c'est pas grave. Mais il y avait surtout... un professeur scientifique d'Angleterre et un ami Jim McDonald d'Écosse qui sont venus parler de ce qu'ils pensent de la situation. Ils avaient 10 minutes chacun pour parler. Donc il y a Eric Milstone, que vous voyez aussi dans le film Faux Sucre, non pas Faux Sucre et Scandale, pardon. Il y avait Eric Milstone, que vous voyez dans le film Notre Poison quotidien, et qui explique bien à la fin de la partie aspartame dans ce film que si l'EFSA avoue qu'ils ont mis intentionnellement un produit aussi dangereux que l'aspartame dans la nourriture pendant 35 ans en Europe, là, les consommateurs n'auront plus confiance. Donc c'est la boîte de Pandore à un truc. Ben, les consommateurs vont dire, ben, vous avez menti, est-ce qu'il y a d'autres produits sur lesquels vous avez menti? Et là, tout s'écroule. La vie. Donc du coup, ils sont comme... Je ne trouve pas d'excuses à ces gens-là. Ils sont tous coupables, c'est sûr. Parce qu'ils ont des conflits d'intérêts énormes avec les lobbies, ça, on le sait. Ils sont coupables. Mais seulement, ils se trouvent comme un enfant bloqué dans une situation depuis 35 ans où ils ont trop menti. Le mensonge a été trop loin. Donc c'est comme un enfant qui fait une bêtise, vous dit « Ouais, pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi, c'est ma sœur. Ça peut durer 4 heures comme ça. » Mais là, ça fait 35 ans. Et donc les gens arrivent là, dans ces rayons. Et comme le vent va tourner, ça va être obligé. Parce qu'à partir du 15 mai, s'ils n'ont pas tenu leurs engagements et donné une décision en juin, les lobbies, là, sentent bien qu'il faut écouler les stocks. Là, je pense que la vidéo sera publiée après le 15 mai. Donc du coup, on pourra mettre dedans toutes les réactions en même temps. Bah, là, ça va venir, ouais. Donc du coup, là, le problème, c'est que les lobbies ne sont pas idiots. Aux États-Unis, ils ont perdu beaucoup d'argent et la bonne nouvelle est la suivante, c'est que l'été dernier, pour la première fois en 35 ans, les ventes d'aspartame pur ont chuté. Donc c'est qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui n'achètent plus de chewing-gum, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la vérité d'une manière ou d'une autre, souvent par Internet, parce que ce n'est pas les médias classiques qui vont le dire, et qui ont arrêté de consommer ces produits et qui vont mieux. Donc il y a une chute de vente de ces produits, et il y a même les chewing-gums en France qui étaient au top des ventes en 2007. En 2008 et 2009, les deux grosses sociétés de chewing-gum en France ont commencé à perdre de l'argent parce que les gens ont commencé à moins en acheter. Donc il y a quand même un changement progressif, pas brutal malheureusement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Cette société-là, qui était poursuivie en Californie il y a quelques années pour mensonge et empoisonnement des consommateurs, va vous sortir des bouteilles immondes partagées avec votre famille. Sur les canettes, c'est partagé avec vos amis. Donc votre famille, pourquoi? C'est format familial. Donc un père de famille qui a 35 ans, qui est diabétique, il n'a pas le choix, entre guillemets, on lui fait boire ça. Donc il ne va pas boire une, il va peut-être boire deux, voire trois, voire quatre bouteilles par jour. Donc la poubelle de recyclage, elle est pleine, hein. J'ai vu la poubelle, donc si je rentre dans la maison, je ne ferme pas la porte. Et donc du coup, ah, mais c'est mon mari, il n'a pas le choix, il est diabétique. Je fais, attendez, prenez ma carte, allez-y quoi. Parce que ça, si on en boit trop, il y a plusieurs symptômes qui peuvent se produire. Crise de rage, crise de violence, même sur les enfants, pathologies comme psychose sexuelle, dépression nerveuse et surtout beaucoup d'agoraphobie. Et là, c'est selon le professeur Ralph Walton aux États-Unis, c'est le mélange caféine-aspartame qui va provoquer ce symptôme. Donc tout ce qui est coca, ce genre de choses en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah ben non, voilà, tout ce qui est soda, light. Ouais. Parce qu'en fait, le mélange caféine-aspartame, c'est ça dans ce genre de produit. Et aussi des pauvres gens qui mettent des sucrés dans leur café. Donc ça fait caféine-aspartame, mais là, le café est très chaud, s'il est à 40-60 degrés, et on va l'avaler. Et donc là, la dégradation au bout de 30 minutes, la molécule se dégrade en formaldéhyde dans le foie, et remonte après jusqu'au cerveau ou attaque aussi le système cardiaque avec des dépôts de formaldéhyde importants. Donc vous avez beau jeter la bouteille, c'est trop tard, vous avez bu trois gorgées, le formaldéhyde commence à se développer dans le système nerveux en 30 minutes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Wood Remonté qui a fait 35 ans d'études sur le méthanol, donc qui est donc 10% de la molécule de l'aspartame, et qui avait déjà fait des émissions avec moi et qui a fait un excellent DVD sur la sclérose en plaques, entre autres, et aussi un très bon livre sur les traces de méthanol dans la vie quotidienne des consommateurs. Et dans l'aspartame, c'est la trace la plus importante. Et c'est là-dessus qu'on se bat depuis 2009 avec Londres, avec des gens du gouvernement de Londres qu'on a informés par l'association, qui ont participé à des réunions internationales concernant l'aspartame depuis pour l'EFSA. Et ça, on ne vous l'a pas dit. Non, mais nous, on a été mettre le pavé dans la mare à Londres. Et les gens, les toxicologues de Londres, et je vais vous le dire parce qu'on ne vous l'a pas dit, les toxicologues de Londres, eux, avaient pour projet de faire une étude sur des humains. Et ils comptaient sur moi, pour leur fournir des cobayes. Et sur la notoriété que j'ai et mon livre. Et j'ai dit, vous vous foutez de ma gueule. Et donc on avait si. Donc on était 6 contre 7, il y avait deux toxicologues qui disaient rien, deux femmes toxicologues complètement sous l'emprise des lobbies et un médecin. Et le médecin, j'ai fait, moi je me bats pour que les gens n'en prennent plus, pour qu'ils aillent mieux, je ne vais pas vous fournir des cobayes. Donc ils avaient déjà investi des milliers de livres sterling pour créer des barres de céréales contenant de l'aspartame pour les donner à des volontaires entre 18 je crois et 55 ans. Et j'ai pas porté de cobaye, c'est sûr. Mais donc ça, ils avaient très peu d'inscrits, ils ont mis beaucoup de temps. Mais le but c'était de faire une étude pour voir ce que ça faisait et garder les cobayes 4 heures dans une clinique. Donc j'ai demandé, voilà, vous en donnez votre barre de céréales largement dosée à l'aspartame. Un jeune de 18 ans, il fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, on aura des cardiologues sur place. Et donc, bougez pas, je suis obligée parce que... Oui. Attends, on ramassera ça après. Je suis conférencière sur les effets secondaires de l'aspartame, d'accord? C'est pour vous. Vous allez sur mon site et je vous sauve la vie. C'est vraiment très 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 dangereux. Prenez du coca normal si vous voulez. Allez voir. Ok, allez voir mon site. Hein. Voir. Si vous êtes jeune et vous êtes jolie, ça serait dommage. Bah oui, c'est trop grave quoi. Et donc du coup, j'étais donc à cette réunion en octobre 2009. Et j'ai dit, excusez-moi, mais je vous ai apporté ici des échantillons de produits anglais, de boissons pour bébés à l'aspartame, de boissons pour enfants, de chewing-gum, allez chercher les cobayes dans la rue. Moi, je vous en apporterai aucun. Et donc, et puis là, j'ai commencé à dire aussi, donc si vous avez un arrêt cardiaque, il y aura de l'aide sur place. Je fais, ok, son copain, il a 20 ans, il prend votre barre de céréales, il fait un AVC, il meurt, on fait quoi? C'est qui paye l'enterrement? Et le médecin me dit, la sécurité sociale y pourvoira. J'étais choquée, j'ai fait, mais bouffez-les vous-même vos barres de céréales. Il dit, oh j'aimerais bien, mais bon... Et donc du coup, après, il a avoué, devant, on était 7, hein, donc il a avoué qu'il avait reçu un dossier d'Ajinomoto, le fabricant d'aspartame, et qu'il ne le lirait pas et qu'il ne l'ouvrirait pas. Et là, j'étais tellement énervée, faut pas m'énerver en anglais, j'ai failli lui dire, vous aurez peut-être dû l'ouvrir, il y a peut-être un chèque à l'intérieur. Et là, je lui dis non, t'es dans la gueule du loup, tu vois, ferme la bouche, je serre les dents. Mais ils m'ont vraiment énervée. Donc ça a duré 3h30. Et j'étais avec cet excellent Jim McDonald qui fait campagne contre l'aspartame. Lui, il me dit, ne parle pas d'aspartame, Corinne, parle de méthanol. Mais les Français, ben, tu leur parles de méthanol, hein, c'est quoi? Ils en ont tellement bu que voilà. Et donc du coup, il faut leur expliquer dès le départ. L'aspartame, c'est ça, c'est composé de ça, ça fait ça. Maintenant, si t'arrêtes, ça ira mieux. Donc c'est très grave. Et donc du coup, l'étude a eu lieu, malheureusement. Ils ont trouvé un petit groupe de volontaires. Et je ne peux pas tout dire ici, mais ça s'est pas très bien passé, on va dire. Et donc du coup, ils ont caché, ils dissimulent encore les résultats, ça fait 2 ans qu'on attend. Et parce que s'ils dévoilent ce qu'ils ont trouvé, ben là, il y a un problème. Et l'AFSA a dit, on attend le résultat de cette étude. Et donc du coup, c'est pour ça que ça traîne, c'est reculer pour mieux sauter, on attend, on attend, on attend. Et pendant ce temps, il y a des pauvres gens qui boivent 4, 5, 6 bouteilles, 1 fois par jour, et puis qui vont rajouter aussi des sucrettes ou qui vont brandir des chewing-gums parce que c'est une addiction. Moi, je suis vraiment choquée de voir ça, quoi. Partager avec votre famille, quoi. Non, c'est trop, quoi. On va voir autre chose. On va passer à notre poison. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bon, tu l'as filmé ? Bah oui. C'est grave. Après, t'as voilà, un autre. Voilà, c'est là. Non. Non, à chacun son Everest. Non, j'aurais dit. Attends. Ah, c'est sulfamca, sucralose. Non, je rêve. Alors, est-ce qu'il y a de l'aspartame là? Ingrédients, eau gazifiée, colorant, caramel, 250D, acide, arôme naturel, donc glutamate, édulcorant, c'est sulfamca, donc c'est cancer. Sucralose. Alors, le sucralose est un édulcorant intense qui se développe se transforme en chlore dans votre sang. C'est un scandale aux États-Unis et donc, du coup, ils ont mis le sucralose à la place de l'aspartame. Voyez, regarde. Non, ça c'est grave. Ah non, avec un cœur et tout, non. Ça coûte combien cette bêtise? Ah non, je rêve, 1,50 €. Vous voyez? Non mais attendez. C'est trop hallucinant. Bon, celle-là, je vais la poser du coup. Non, c'est vraiment très grave. Donc ça, faudra prendre en photo aussi. C'est bon. Bon, allez. Alors si on était, là on est quel jour? On est lundi matin. Si on était un samedi après-midi 15h, là je vous garantis, quand il y a du monde comme ça, plus de monde que d'habitude on va dire, les gens ils arrivent avec leur caddie, ils viennent chercher leur dose, hein. J'ai vu des cas très graves en France. Hein. Donc vous avez des obèses morbides la plupart du temps, qui viennent remplir leur caddie, prendre 5, 6, 8 bouteilles. Hein. Donc quand c'est trop tard, faut pas leur dire quoi. Mais bon, beaucoup d'obèses morbides qui viennent là chercher leur truc light pour maigrir quoi. Pour maigrir. Oui, ça fait grossir. L'aspartame fait grossir, on sait depuis le début. Donc voilà. Donc là, on va chercher un autre poison. C'est parti. No aspartame, regardez. Sans aspartame. Ah. Vous voyez, ça, le vent va tourner. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais on va voir ce qu'ils ont mis à la place. Et oui. Donc c'est Carrefour saveur agrumes light. Ça, c'est pour faire la concurrence avec ça. Sans conservateur, sans aspartame. Parce que ça, pendant des années, il y a eu de l'aspartame là-dedans, mais ils ont retiré l'été dernier, je crois. Regardez, édulcorant, acide sulfamca et sucralose, voilà. Donc ils ont mis un autre poison à la place de l'aspartame, ils ont retiré l'aspartame. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas bon non plus. Mais vous voyez, donc il y a Danone qui a retiré l'aspartame des yaourts, il y a eux qui ont retiré l'aspartame, ça fait quand même quelques tonnes, on va dire. Et là, on voit un produit Carrefour, sans conservateur, et on voit bien no aspartame. Donc en anglais, bien sûr, hein. Alors c'est un produit français. Donc là, il faut aller gratter ça. Bien sûr, c'est caché par du plastique. Donc on est obligé de déchirer le plastique pour voir. Et on y va. Alors, sucralose. Profite. Hein. Ouais, c'est grave. Mais bien sûr, allez-y. Donc on y va. Boisson gazéifiée aromatisée, quality. Bah oui, de la qualité Carrefour. Agrumes avec édulcorant. Ingrédients, eau, on s'en doute. Hein. Gazéifié, jus de fruits à base de concentré, acidifiant, acide citrique. Donc là, ça fait passer plus d'aluminium dans le cerveau parce que c'est un acide citrique dérivé de moisissure. Arôme naturel, donc glutamate. Il n'y a pas d'agrumes, hein, c'est de l'arôme d'agrumes, donc c'est du glutamate monosodique. Avec autres arômes naturels, on ne dit pas de quoi. Donc ça fait 2 fois au moins du glutamate si ce n'est pas 6. Édulcorant sucralose. Le sucralose, on l'a dit tout à l'heure, se dégrade en chlore dans votre sang. Et on n'a pas encore de preuve que ce n'est pas cancérigène. Acésulfamca, c'est cancer des reins et de la vessie. Anti-agglomérant, acide ascorbique. Stabilisant ester glycérique de résine de bois. Alors ça c'est génial. Et colorant vert S. Alors le vert S. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas ce truc. Alors vert S. Ah bah je connais même pas, vous voyez. Donc on apprend des choses même chez Carrefour. On y rigolait. Attends. Vert brillant. Ah si. C'est vert brillant BS. Vert lisane. C'est E142. Très intéressant. Alors vert lisane E142. C'est la première fois que je le vois. C'est génial. Alors vert brillant BS ou vert lisamine. Colorant vert synthétique, risque hyperactivité, asthme, réaction cutanée, insomnie, pourrait aussi être cancérigène, à éviter. Donc moi, voilà. Alors le secret, si tu fais de l'asthme, c'est très simple. Ah, même plus de carte là. Tu vas sur mon site et tu arrêtes de boire ces choses-là et surtout tu ne prends aucune source de glutamate monosodique. C'est vrai que je rigole pas, ça m'intéresse vraiment. Mais je rigole pas. Et donc quand tu as mangé plus tout ça, tu n'as plus d'asthme. Tu varies ? Voilà. 2000 €. 2000 €. Ah non, j'ai pas 2000 €, tu sais, moi, on me persécute pour ce que je fais, donc j'ai pas 2000 € à parier. C'est très simple, tu vas sur mon site, c'est www.santéendanger.net. Et tu vas lire les dossiers aspartame glutamate, et après tu vas dans mes articles, et tu vas lire, c'est très important pour toi, tu vas lire le dossier dans mes articles qui s'appelle Cousmine, et là, à l'intérieur, tu vas avoir un dossier qui s'appelle Excitotoxine, vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir. D'accord? Et tu vas lire tout le dossier. Ça peut te sauver la vie. Ça va prendre un petit moment, 20 minutes, une demi-heure, il est long. Mais au moins, tu apprendras plein de choses qui pourront te sauver la vie. Donc là, après, c'est fini. Les réactions cutanées, c'est fini. La fatigue, l'énervement, etc., c'est fini. Et tu éviteras sûrement des cancers, l'obésité et compagnie. D'accord? Et après, tu répètes tout ça à tes copains. Hein? Parce que le but de ces gens-là, c'est de vous détruire, vous empêcher d'avoir des enfants et vous rendre malade. Parce que quand tu es malade, tu prends des médicaments. Voilà, et donc, mais on vous empoisonne sciemment par des produits comme ça. Bon là, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'aspartame, mais tu as vu ce qu'il y a dedans, c'est... Et après, voilà. On... Non, mais c'est... Et ce colorant vert, on ne le voit pas souvent, tu vois, donc il faut qu'ils se mettent là-dedans pour avoir leur propre produit. Et comme l'aspartame est sur la sellette, il risquerait d'être interdit cette année après 35 ans de génocide. Hein. Ouais. Tu vas sur mon site, il y a aussi la vidéo qui s'appelle Corinne Gouget, moi, sur le génocide alimentaire. Et là, on a dépassé 21 000 personnes qui l'ont vu en un mois. Donc voilà, donc voilà. Ouais, c'est comme tu dis, ouais. Et seulement que là, ben voilà, donc ça se mange pas. Si je regarde dans ce rayon, il n'y a rien qui se mange. À part du cidre, peut-être, c'est du cidre bio. La Volvic, j'ai vu là-bas. La Volvic, ouais. Faut boire que de l'alcool. Alors, l'alcool, quoi, faut boire que de l'alcool? Alors, oui et non, pas trop d'alcool fort non plus. Pas trop d'alcool fort non plus, mais si tu veux, si tu prends les produits à l'aspartame là-bas, dans l'aspartame, il y a du méthylester, c'est de l'alcool de bois, qui est en molécule libre et qui se dégrade en formaldéhyde. Et le formaldéhyde, c'est 5000 fois plus dangereux que l'alcool. Donc il y a des femmes enceintes qui ne boivent pas d'alcool et qui vont se farcir de boissons light pour ne pas grossir pendant la grossesse. Et là, elles détruisent les bébés dans le ventre. Encore pire. Bien sûr. Pire, ouais. Donc surtout, ne pas mélanger de soda light avec de l'alcool. Parce que là, tu vas être bourré encore plus vite. Et ça, c'est prouvé par des scientifiques. Hein. Si tu mélanges soda light avec Malibu, vodka, whisky, là c'est mal parti. Hein, donc faut surtout pas faire ça. Après je t'empêche pas de boire de temps en temps pour faire la fête, mais prendre du soda normal. Hein? Non mais tu bois de temps en temps pour faire la fête, mais pas jusqu'à coma éthylique. Hein? Non bah quand même, t'as vu combien il y en a maintenant en France? Hein, c'est de la folie. Donc et le but c'est de vous détruire. Hein. C'est clairement expliqué. Donc le mieux c'est de prévenir avant d'arriver à des poids pas possibles. J'ai des jeunes de votre âge qui me contactent, 23 ans, 22 ans, après juste 2, 3, 4 ans de soda light tous les jours, ils ont pris 40 kilos. Donc quand tu arrives à 130 kilos ou à 150 kilos à 15 ans, fallait réagir avant quoi. Après sinon, si vous mâchez des chewing-gums, ça peut être aussi anorexie. Là, c'est pas très beau. Oui, donc vous en mâchez vous un peu des chewing-gums, non? Toi? Non, toi plus, non? Jamais. Il me ment, hein. T'en mâches des chewing-gums ou pas? Non, sérieux, t'en mâches ou pas? Pas beaucoup, de temps en temps. Ouais, je sais. Donc tu vas arrêter, après ça ira mieux. Parce que là, le chewing-gum, ça te détruit les neurones du cerveau pendant 1 heure à 12 heures et ça commence dans l'heure qui suit. Donc voilà, il y a les 92 effets secondaires sur mon site. Et l'idée, c'est de te prévenir, surtout à ton âge, c'est réversible. Donc, et t'as déjà 2 symptômes, c'est pour ça que je sais que t'en mâches. Comment? S'il vous plaît. Ah ben, en fait, quand tu prends des chewing-gums, ça fait l'air fatigué, des cernes sous les yeux et surtout des boutons sur le front. Mais là, tu n'en as pas beaucoup. Mais en général, à ton âge, il y a des jeunes qui perdent les cheveux là. Ils ont un trou sur le dessus. Et donc, ils ont une calvitie prononcée sur le dessus, comme si on te passait une tondeuse à gazon. Mais les boutons, après, ça en vend 2-3 mois après. Et les cernes aussi. Ah ben, je te jure qu'il y a même des filles de 6 ans qui mangent des chewing-gums pour enfants, et à l'aspartame, bien sûr, et qui perdent leurs cheveux. Donc les mamans mettent des barrettes, du gel, un foulard, un machin, mais elles ne sont pas au courant. C'est pas votre faute. C'est la faute au gouvernement qui dit rien et qui ment, et qui laisse vendre pour l'argent. Donc tu vas sur Internet et tu vas voir le film Les Alimenteurs. Et tu... Oui, mais il y a marqué fumer-tu sur le tabac. Est-ce qu'il y a marqué boire-tu sur les bouteilles de light? Non. Est-ce qu'il y a marqué mâcher-tu sur les paquets de chewing-gum? Non. Il n'y a pas marqué attention, AVC, tumeur au cerveau. Non. Il n'y a pas marqué ça. Il devrait. Mais les gens continuent à fumer. Seulement, tu ne donnes pas une cigarette à un enfant de 2 ans. Tu lui donnes du soda light dans son biberon. C'est pire. C'est pire, parce que ça attaque l'ADN, c'est mutagène, c'est cancérigène, c'est tératogène. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc du coup, et là, il n'y a pas d'avertissement, tu vois. Donc après, évidemment, les gens continuent à fumer. Et puis, pour arrêter de fumer, ils font quoi? Ils mangent des chewing-gums. Et voilà. Et la boucle est bouclée. C'est un cercle. C'est même pas un cercle vicieux, c'est un cercle pervers. Donc du coup, l'idée, c'est de vous informer. Hein, puis vous faites passer l'info aux copains, aux copines, avant d'être chauve, obèse. Des... Quand vous venez pour parler dans le détail. Quand tu veux. Allez, chiche. Allez, encore de Paris. Quand fait, alors, c'est où? C'est ce qu'elle fait là-bas. Elle est là, à côté. Elle est seule à côté, tu veux faire ça quand? Dans ta classe? Ouais. Avant fin juin? Ouais. Ben écoute, il n'y a pas de souci, tu me donnes ton mail et puis on s'arrange. Prends ton mail. Non, j'ai pas, pas de mail. T'as une adresse mail toi? Ouais, c'est l'adresse mail. Bah, tu vas me la marquer parce que là on filme comme ça, tu la diras pas. Voilà, il y a un expert qui est décédé il y a 3 mois qui s'appelle le Dr Roberts, tu verras en page d'accueil de mon site. Et il a passé toute sa vie à dénoncer ça. Et il a fait un gros livre de 1020 pages là-dessus où il y a 1300 cas de personnes malades. Combien de pages? 1020 pages. Ouais, c'est plus gros que les pages jaunes, mais là c'est blanc. Là c'est la vérité quoi. Donc du coup, et lui, il est décédé d'un problème cardiaque à 88 ans il y a à peu près 4 mois maintenant, 3 mois. Et c'était l'expert le plus complet au monde. Ouais, il n'est pas passé à la télé en France, parce que la France, ben... Ah non, c'est qu'on a fait des pressions sûrement sur la journaliste, pour pas qu'il soit... Mais justement, c'était Arte, cher ami. Alors là, je suis désolée, on va faire un peu de pub pour un autre auteur qui s'appelle Pierre Hillard. Et tu vas taper Pierre Hillard sur YouTube et tu vas apprendre hein, ce qu'il a écrit. Voilà, voilà ce que c'est Arte. Donc, on va pas le dire, mais... Voilà. Mais bon, achète le livre de Pierre Hillard sur la tour de Babylone et tu comprendras dedans avec la liste des 200 ce qui se passe. Non, non, c'est pas vraiment la meilleure chaîne. Parce que j'ai eu affaire à eux 2 fois. Voilà. Ils ont des pressions, normal, ils ont des pressions par ceux qui font tout ça là. Pour pas tout dire. On dit un petit peu, il se pourrait que ça fasse des cancers, il se pourrait que. Mais il se pourrait, ça va un peu quoi. Tout est prouvé depuis 35 ans hein, pour l'aspartame. Et pour le glutamate, c'est prouvé depuis les années 55-60. Il y a la pub là où ils se... La pub. Leclerc là, quand tu dis... L'aspartame, ça n'a pas été prouvé, mais en attendant, on l'enlève. Ah, Leclerc aussi? Non, c'était Super U. Ouais, voilà. Bah oui, parce alors, que... Pour eux, ils le savent, en fait. Ah oui, ils le savent, bien sûr. Et même le directeur de Super U, il a une liste de 80 produits toxiques dans la nourriture. Et tu vas... Je t'enverrai la vidéo, si tu veux. Il avait fait un débat avec Pierre Rabhi. Et il avoue qu'ils vendent une nourriture cancérigène et reprotoxique. Et qu'il est temps de changer les choses. Le directeur de Super U, quoi. C'est du délire, quoi. Et il avoue qu'ils ont fait des yaourts sans aspartame. Mais à la place de l'aspartame, il a mis le sucralose. Mais ça se trouve, il n'est pas au courant que c'est un autre poison. Donc là, le sucralose n'est pas neurotoxique à ce jour, mais il se transforme en chlore dans le sang. Donc on remplace l'aspartame par quelque chose d'un peu moins dangereux, mais c'est toujours dangereux. Donc voilà. Non, non, mais on ne peut plus faire confiance. Donc il faut retourner à une alimentation naturelle. Et les enfants, ils comprennent. C'est bien que vous veniez, parce que, en fait, je crois qu'on a des récords, on vient ici. Tout le monde achète des... Ah, parce que c'est juste à côté. Ouais. Tout le monde achète plein de trucs. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui mangent des chips? Ouais, que ça. Que ça. Et à 10h30, ils vont comment là? Parce que moi, j'ai eu un cas dans les Cévennes, des enfants de 6e, des élèves de 6e à 12 ans, qui mangent des chips dans la cour à 10h, et à 10h35, en cours d'espagnol, ils s'attaquent à coups de compas et de ciseaux. Et le lendemain, ils reviennent avec des couteaux de la cuisine de chez leur mère pour s'entretuer. Les profs, ils craquaient, quoi. Je dis, mais c'est à cause des chips, hein? Ah, mais je vous jure, ça rend fou, ça rend violent, hein. Donc ça provoque des pulsions de crise de rage intense, des moments de folie, et même chez les tout petits. Hein. Les enfants de 2 ans et demi, un paquet de chips, ils deviennent fous en 15 minutes. Hein. Donc c'est très bien expliqué par le Dr Blaylock encore, mais en anglais. Et quand tu l'entends, tu dis c'est pas possible. Et quand tu vois les gens, amusez-vous à observer les symptômes. Regardez les copains, les copines qui mangent des chewing-gums, qui perdent leurs cheveux, qui ont des lunettes 9 fois sur 10, qui sont dépressifs ou anorexiques, ou qui ont des sauts d'humeur, des trous de mémoire, les jambes qui tremblent aussi. Regardez vos copains qui sont assis en cours, et là, quand la jambe elle tremble comme ça, ou les 2 jambes, là c'est Parkinson dans quelques années, hein, faut arrêter. Ah ouais, tu rigoles, mais j'en ai sauvé un de 17 ans la semaine dernière. Alors lui, c'était bouillon cube, chips et les sucrettes, il les prenait dans la bouche, quoi. Et les deux jambes tremblaient, hein. Donc ça, c'est le syndrome de la jambe qui tremble, c'est le cerveau qui est détérioré. Hein. Donc faut arrêter, hein. Donc voilà, bah, écoutez, on reste en contact. Vous avez ma carte, vous m'envoyez un mail. Et puis si vous voulez faire un projet, pas de souci. Avant l'été, ça serait bien, parce que l'été, il y en a plein qui vont mourir. Hein. Tu peux faire un arrêt cardiaque fulgurant après un plat au glutamate. Hein. C'est affolant, quoi. À votre âge, hein. Il y en a plein, même des petits. Hein. Donc ça vaut pas le coup de mourir à cause de ce qu'on mange. Voilà, il faut essayer de manger pour vivre, mais non de vivre pour manger. Hein. Mais eux, ils vous empoisonnent, donc. Et comme il y a cette addiction, on mange encore, on va racheter encore, et du coup, ça va plus, quoi. Ça va plus neurologiquement et physiquement. Donc, la nourriture que vos copains mangent peut agir sur votre physique très très rapidement et sur votre comportement aussi rapidement, ok? D'accord. Bon, au plaisir, hein? Bonne santé, salut! Alors c'est parti, là on attaque le rayon des chewing-gums. Bah. Ce qui est très intéressant dans ces rayons-là, c'est des jolis paquets qui donnent envie de manger des fruits. On a goût myrtille, ça ne veut pas dire que c'est à la myrtille, d'accord? Pour des dents fortes, propres et saines. Donc du coup, on achète ça, on se dit c'est à la myrtille, parce qu'il y en a plus sur l'emballage qu'à l'intérieur. Et quand vous le voyez, là c'est écrit clairement en gros, on a envie, c'est la marque, elle est connue. Et les ingrédients, ils sont écrits quelle couleur? Bleu sur mauve. Comme l'aspartame fait baisser la vue à chaque fois qu'on en consomme, on ne va pas lire. Ça, c'est affolant. Donc là, on est, moi, à vue d'œil, là, c'est très difficile de lire. On ne va pas arriver à voir. Et pourtant, je le vois, l'aspartame, il est là. Donc aspartame acésulfame-K. On ne lit pas, on prend, on est pressé, on est stressé parce qu'on veut sortir du supermarché. On veut sa drogue. On vient chercher sa cocaïne, elle est là. Et donc, du coup, on se dit, c'est aux fruits. Là, la fraise, elle est gigantesque. Goût fraise. C'est pas marqué à la fraise. Donc on met un arôme artificiel de fraise, mais on mettra juste le mot arôme avec des colorants forcément. Donc là, je suis désolée, cette marque est poursuivie aux États-Unis. Donc là-bas, ils changent le nom, c'est Orbit avec la même marque au-dessus. Et donc elle est poursuivie aux États-Unis en class action, ça se met en place, pour les cas de tumeurs cérébrales. Et en France, rien, on n'est même pas capable encore de faire des class action. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est les class action? Les class action, c'est la capacité aux consommateurs, aux victimes, de se regrouper avec le même avocat pour porter plainte à plusieurs. Donc ça peut être des centaines de gens tous ensemble. Donc en France, c'est pas encore complètement autorisé. En France, tu peux le faire si par exemple tu te mets sous une association, non? En fait, ça commence à bouger. J'ai vu ça hier sur Internet, mais il faut que j'approfondisse par rapport aux droits du consommateur. Mais est-ce que c'est au niveau alimentaire? Je ne sais pas. Mais c'est très difficile. Mais bon, il va falloir que ça se fasse. Donc pourquoi il y a plus de droits aux États-Unis qu'en France? Voilà. C'est affolant. Alors qu'on dit que c'est pas le pays de la liberté, les États-Unis, enfin beaucoup de choses, et finalement. C'est pire, voilà. Là, vous avez nouveau twist. Donc là, si vous voulez ressembler à un chimpanzé, allez-y. Donc green top, on vous met un singe qui est en costume cravate. Hein. Donc c'est vraiment vous prendre pour des abrutis. Et là, on a encore aspartame, acésulfame-K, sucralose. Donc c'est trois poisons et qui vont là. Alors par l'aspartame, c'est très intéressant. Vous avez aussi des OGM sous la forme de lécithine de tournesol ou de au soja. Arôme, huile végétale, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Et je vous signale aussi que la gomme de base est vendue par Goodyear à ces sociétés. Donc voilà, vous mangez du pneu avec des poissons, c'est affolant quoi. Donc là c'est Green Top, vous avez Pink Rock, c'est pas mal non plus, avec des jolis dessins, des machins, des choses comme ça. Et donc le problème c'est que par ces produits-là, que ce soit bonbon ou chewing-gum, l'aspartame se dégrade instantanément dans la salive à partir de 30 degrés en sous-produit et va directement au cerveau. Donc le professeur Roberts qui nous a quittés à 88 ans il y a quelques mois, expliquait que quand on consomme ces produits, il y a un article qui s'appelle l'absorption de l'aspartame par la langue, par la bouche, et donc c'est en anglais. Et donc lui, il a écrit ce texte en expliquant que c'est comme si on consommait... on va recommencer. Donc il a écrit, le professeur Roberts a écrit un texte pour expliquer que quand on consomme des produits comme des bonbons ou des chewing-gums à l'aspartame, c'est comme si on consommait de la nitroglycérine. Donc du coup, ça va très très vite dans le cerveau, vous imaginez même pas. Et donc du coup ça provoque cette addiction, cette envie d'en mâcher un autre. Et on a des cas en France, hein. J'ai des cas en France qui étaient à 120, 130 chewing-gums par jour. Et le cas le plus grave au monde était en région parisienne. Elle était à 220 chewing-gums par jour en 2007. Donc elle est dans un état, voilà, la santé c'est plus ça. Mais bon là, cette personne consomme en un jour ce qu'un Français consomme en un an. Donc en 2007, ce marché marchait très fort. Parce qu'à cause du mélange E104 et aspartame qui devient 7 fois plus toxique Il y a eu beaucoup d'addictions dans les chewing-gums au cœur tendre qu'on va peut-être trouver par là, s'il y en a encore. Avec le jus dedans, là. Avec le jus dedans. Donc ça s'appelle sweet gum. Voilà. Et là, vous voyez, c'est pur, fraîche, mentos. Moi, j'appelle ça menteur gomme. Et donc, c'est la laine fraîche, mais bon, ça détruit les neurones. Alors, on contribue à rafraîchir votre haleine, ben oui, c'est sûr, et vous laisse une intense sensation de fraîcheur en bouche. Alors, l'intense sensation, c'est dans le cerveau aussi, puisque ça peut provoquer des crises de rage intenses, des envies de crime, des dépressions nerveuses, un AVC ou une tentative de suicide. Donc, à part ça, tout va bien. Donc là, vous avez marqué en tout petit aspartame acésulfame K sur le côté. Mais rassurez-vous, tout va bien pour cette société. Tu parles d'accès de violence. Moi, je voulais que tu parles un petit peu de cette femme qui a fait le test dans 2 semaines dans les écoles, oui, avec ce film qui s'appelle « Enfant, tu baissais sur pattes ». Oui, tout à fait. Donc là, c'était une petite vidéo de 2007 avec Sue Dengate en Australie, qui va depuis 21 ans dans les écoles primaires, maternelles et collèges pour apprendre aux enfants à lire les étiquettes. Quoique on devrait pouvoir faire confiance et manger des aliments sains, mais c'est plus possible. Donc, elle apprend aux enfants. Et il donne une liste d'additifs à éviter à la cantine, quand c'est possible, parce qu'en France c'est très dur. Et il donne une liste aux parents, parce que ça ne suffit pas de changer l'alimentation à la cantine, il faut changer à la maison. Donc le but du jeu dans cette école-là, à l'époque en 2007 en Australie, c'est que pendant 2 semaines, tous les enfants de toute l'école ne consomment plus d'additifs, non ni à l'école, ni à la maison. Et ça marche. Ça marche. Tous les enfants dorment mieux, se concentrent mieux, sont moins hyperactifs, sont plus gentils entre eux, ont plus d'amis. En 2 semaines, c'est pas long, 2 semaines dans une vie. Et du coup, cette femme, elle fait ça depuis plus de 21 ans et elle a sorti un très bon DVD qui est sous-titré en français de 70 minutes qui explique qu'il y en a marre du mauvais comportement des enfants. C'est quoi le nom ? Le nom du DVD. Le DVD, je te montrerai, je l'ai avec moi. C'est Fed Up with Kids, Children Behavior. Et donc c'est un documentaire qui est filmé en Australie et en Angleterre. Et la partie en Angleterre, c'est époustouflant. Ils filment les coupures de journaux où on décrit qu'il y a des enfants qui deviennent criminels. Les 8 ans, 12 ans. Hein. Et donc ils vont filmer des enfants qui ont un casier judiciaire en Angleterre, avec les photos, les numéros, le policier et tout ça. Et ils prennent un médecin, alors je ne sais plus quelle année c'était parce que c'est pas trop indiqué dans le film, et je vais les trouver ces gens-là. Et donc ce médecin en Angleterre propose un projet sur un groupe d'enfants criminels. Ils ont entre 8 et 12 ans, hein, j'exagère pas du tout. Et donc on voit ces enfants dans la salle de réunion avec leurs parents, ils se sautent dessus, ils tombent par terre, ils s'agressent, machin, ils tiennent pas en place. Et le médecin dit voilà, on va faire un changement d'alimentation sur 3 semaines. Là, c'est 3 semaines. Et comme c'est des pauvres gens pas trop éduqués, on leur fournit même les fruits, les légumes, la viande et tout ça pour changer l'alimentation des enfants. Alors il y a des enfants qui disent non, je ne le ferai pas, j'ai pas envie. Bon, bien sûr, ils sont dans la révolte. Et le cas le plus grave dans ce groupe, c'est une jeune fille de 12 ans qui mâche, vous la voyez mâcher. Et elle se regarde comme ça, complètement violent, etc. Et tous les enfants changent d'alimentation, tous. En quelques jours, ils vont presque tous mieux. Mais au bout de 3 semaines, on voit les mêmes enfants dans le film, dans la même salle, avec les mêmes personnes. Et là, vous êtes stupéfait, quoi. Ils sont sages, ils écoutent, ils sont cohérents, ils sont amis entre eux et donc du coup, on voit vraiment un grand changement de comportement.